Bien, on va donc démarrer la séance du conseil municipal du 2 juin. Vous n'oublierez pas, en quittant la salle, de souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Fuchs et à Monsieur Serrero, hein, qui ont 20 ans ce soir. Donc surtout, à l'issue du conseil, n'hésitez pas à leur faire la bise, ils seront ravis. On boit un pot après, non ? Bien. On va, comme d'habitude, procéder à l'appel. Donc, Éric Schlegel, présent. Agnès Poncelin. Présent. Claude Mazard. Présent. Delphine Schlegel. Présent. François Culeux. Présent. François Der. Présent. Francine Pedreau. Alain Huguet. Présent. Pierre Agement a donné pouvoir à Madame Agnès Poncelin. Nadège Huguet. Présent. Alain Grodet a donné pouvoir à Monsieur Serge Adala. Monsieur Francis Defranou. Présent. Éric Flessel a donné pouvoir à Monsieur Claude Mazard. Amélie Guillou a donné pouvoir à Madame Sylvie Bellavoine. Corinne Tanguy, Manuela Ramirez, Sylvie Bellavoine, Éric Fournier, Claire Hénin, Serge Adala, Monsieur Nicolas Serrero, Monsieur Jean-François Perron a donné pouvoir à Monsieur Nicolas Serrero, Madame Stéphanie Fuchs, Monsieur Bruno Afonso, Madame Stéphanie Barbara Vajon, Monsieur François Dacuna, Monsieur Arnaud Lopez. Joël Dassouza a donné pouvoir à Madame Delphine Schlegel. On me dit qu'il devrait arriver vers 20h50 étant bloqué dans les bouchons. Jean-Pierre Nouvelon, secrétaire de séance, Madame Corinne Tanguy. Bonsoir à tous. Alors, donc, lors de la séance du Conseil municipal du 31 mars 2022, ont été délibérés les points suivants. Sur le chapitre des finances, nous avons donc 1. Approbation du compte de gestion du budget de la commune, exercice 2021. Approbation en 2 du compte administratif du budget de la commune, exercice 2021. En 3, affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021 du budget de la commune. En 4, vote des taux d'imposition des taxes communales, exercice 2022. En 5, vote du budget primitif de la commune, exercice 2022. En 6, attribution d'une subvention de fonctionnement 2022 pour le CCAS. En 7, reprise de provision pour litiges et contentieux, budget de la ville 2022. En 8, constitution de provision pour litiges et contentieux, budget de la ville 2022. En 9, autorisation accordée à Monsieur le maire de signer les contrats de prêt de 6 millions d'euros souscrits auprès de la Banque Postale qui se décompose comme suit. 3,330 millions d'euros pour l'achat du terrain 15-25 avenue de Champs, 1 300 000 euros pour la construction de la maison de santé, 1 370 000 euros pour financer les autres investissements. En 10, la taxe locale sur la publicité extérieure, actualisation des tarifs maximaux applicables à compter du 1er janvier 2023. En 11, reversement au profit du CCAS de la somme de 1 288,12 euros perçue par la commune dans le cadre du remboursement effectué par le groupe Chèque Déjeuner. En 12, attribution de subventions de fonctionnement aux associations gournaisiennes, exercice 2022. En 13, attribution de subventions de fonctionnement à des organismes extérieurs pour l'exercice 2022. Changeons de chapitre. Chapitre ressources humaines, donc en point 14, création de 6 emplois non permanents pour un accroissement temporaire d'activité dans le pôle service technique, dans les services administratifs et le service restauration scolaire. Dans le chapitre cadre de vie, en 15, nous avons eu la note sur l'acquisition du terrain situé 15-25 avenue de Champs, cadastré section D numéro 6, 7, 8, 9, 10, 11,
598, 599, 600 et 601. Au chapitre enfance-jeunesse, nous avons en 16 modification de l'âge des participants à la formation accélérée au code de la route pris en charge par la ville. En point 17, modification de l'âge des participants à la formation PSC1. Au chapitre sport, en point 18, approbation de la convention de mise à disposition ponctuelle de la base départementale de Champs-sur-Marne entre le département de la Seine-Saint-Denis et la ville de Gournay-sur-Marne pour l'organisation du duathlon lot 2 course d'obstacles canoë-kayak. En point 19, approbation de la convention entre l'Association des sports de Chelles, section canoë-kayak et la ville de Gournay-sur-Marne pour l'organisation du duathlon lot 2 course d'obstacles canoë-kayak. En point 20, approbation de la remise de récompenses dans le cadre de cette manifestation O2 du 15 mai 2022. Au chapitre municipalité, le point 21 a clôturé donc la séance avec un rendu compte des décisions prises dans le cadre de la délégation de Monsieur le maire, article L2122-22 du CGCT. Merci. Merci Corinne. Y a-t-il des commentaires sur ce qui vient très... Monsieur Afonso. Je suis désolé, mais je n'arrivais pas à suivre. Je pense qu'on n'a pas les mêmes numéros. Alors, je suis désolé, mais je n'arrive pas à suivre parce que, comme vous, j'ai fait le constat que nous n'avons pas les mêmes numéros que ce qui a été évoqué. Je n'ai pas de réponse intelligente à vous donner. J'essaierai de vous en porter une la prochaine fois. Mais là, en l'état, c'est pourquoi, d'ailleurs, vous m'avez vu me retourner, puisque, comme vous, j'ai été étonné de ne pas retrouver les titres. Je pense que tout y est. Mais en tous les cas, il y a des numéros de chapitres qui ont manifestement bougé. On m'a rapidement expliqué que c'était lié à ce qui avait été adressé à la PREF, mais je reviendrai vers vous pour que ça soit précisé. J'en suis désolé. Moi-même, je n'ai pas compris ce que ça signifiait. Merci. Y a-t-il d'autres remarques sur ce qui vient d'être lu ? S'il n'y a pas d'autres remarques, on va partir du principe que la remarque faite par M. Afonso apparaîtra au procès-verbal, de manière à ce que je n'oublie pas d'apporter une réponse, parce qu'effectivement, moi-même, je ne suivais absolument rien de ce que Mme Tanguy nous lisait, ce qui est quand même un peu déplaisant. Bien, nous allons néanmoins démarrer l'étude des délibérations de ce soir. Nous allons démarrer avec la note de présentation numéro 1, qui est une décision modificative et qui est la première décision modificative du budget de la commune pour l'exercice 2022. C'est M. Mazard qui va nous la présenter. Oui, effectivement, il s'agit là de modifications sur le budget primitif déjà voté dernièrement, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement, aussi bien en recettes qu'en dépenses. Il peut y avoir des recettes supplémentaires ou des recettes déduites, avec des dépenses en complément ou des dépenses déduites aussi. Donc pour un total de 467 000 euros en fonctionnement et de 349 000 euros en investissement. Pour en faire le détail, en bonne nouvelle, nous avons des recettes supplémentaires sur les taxes imposables, dont 172 588. Une légère baisse de la dotation globale de fonctionnement, 1 868 euros. Je vous rappelle que ces montants ont été votés dans un budget primitif qui était malheureusement non définitif, alors que ces chiffres maintenant deviennent définitifs. La dotation nationale de péréquation en baisse de 6 306 euros de recettes. Compensation et exonération des taxes foncières pour 8 653 euros, ça concerne les logements sociaux. Les produits de la vente du terrain sur la ligne Grand Paris Express pour 293 000 euros. Reprise de la provision pour les créances douteuses, 1 065 euros. Ça, on retrouve les recettes. Ensuite, en dépenses, les charges à caractère général d'ajustement de l'ensemble des services pour 41 821 euros. Les charges de personnel en augmentation de 30 000 euros qui concernent les régularisations du point d'indice et du SMIC. Je vous rappelle que le budget était de 6 430 000, il passe à 6 460 000. Donc voilà, on a des montants qui sont en augmentation, mais qui restent encore
dans les normes qu'on s'était fixées. Le montant des créances irrécouvrables qu'on va voter, 2119 en moins. Les charges financières pour le remboursement de la nouvelle dette au niveau des intérêts pour 36 711 euros. Des charges exceptionnelles sur un ajustement de Noël pour les enfants du personnel pour 2100 euros et des provisions pour les créances douteuses en ajustement en déduction de 4 934 euros. Ensuite, nous avons des dépenses imprévues pour 59 300 euros qui servent tout simplement à équilibrer les budgets. Ensuite, nous avons en écriture d'ordre 293 000 euros qui vont aller dans la section d'investissement, une opération d'ordre pour transfert entre sections pour 7 016 euros. Tout ça en dépenses pour un total de 467 132,88 euros. Cela pour le fonctionnement. En investissement, donc des caméras de vidéoprotection pour 9 000 euros, des recettes en moins parce qu'ils ont été inscrits deux fois au budget. La participation à extension du réseau pour le projet 57 avenue Aristide Briand et 13 avenue du Bel Air pour 12 183 euros de recettes supplémentaires. Des FCTVA qui sont régularisés depuis 2014 et 2016 pour 43 193 euros, tout ça pour des recettes. En dépenses, nous avons un certain nombre d'études pour l'avenue de Champs, pour les skateparks, l'aire de jeu et le City Stade pour 46 300 euros. La réélévation de l'école de Château, 120 000 euros. Réhabilitation de l'ancien réfectoire en salle de classe à l'école des Pâquerettes pour 15 000 euros. Construction d'un nouveau centre de loisirs, 66 000 euros. Audit pour diagnostic complémentaire pour les deux projets des écoles, 10 000 euros. Études diverses, 30 000. Autre audit énergétique des bâtiments et logements communaux pour 17 000 euros. Des travaux de voirie sur les rues des Mûriers qui ont été décalés suite à des travaux d'assainissement qui ont été eux-mêmes décalés, donc qui étaient inscrits en dépenses, forcément on les récupère, 231 000 euros. L'extension du réseau pour le projet 57 avenue Aristide Briand et 13 boulevard du Bel Air pour 12 183 euros. Donc on les retrouve en recettes et en dépenses. Les lits pour le dortoir de l'école maternelle du château pour 10 000 euros. Le remboursement de la taxe d'aménagement du permis de construire qui date de 2019, annulé par le tribunal au 28-30 avenue de Champs pour 40 663 euros. Le remboursement du capital de la nouvelle dette, 97 480 euros. Le titre de participation pour 45 300 euros. Je vous rappelle que on avait la possibilité éventuellement d'emprunter à une banque qui, pour pouvoir emprunter, nous avions comme obligation d'investir en capital dans cette banque. Donc on avait prévu déjà au budget, comme nous ne sommes pas passés par cette banque. Donc c'est 45 000 euros que nous récupérons. Le service des finances qui récupère 30 000 euros et des dépenses imprévues pour équilibrer le budget pour 127 824 euros. On retrouve les virements de section en fonctionnement des 293 000 en recettes. Les opérations d'ordre de transfert en section pour 7 016 euros, et des écritures pour les opérations patrimoniales pour 2667 qu'on retrouve en dépenses et en recettes. Il est proposé au conseil municipal d'approuver cette délibération avant les questions, si vous le voulez bien. Alors, y a-t-il des questions, monsieur Serrero? Je vous remercie. Je vais m'attacher à essayer de remplacer M. Perron, certainement avec beaucoup moins de technicité que lui, mais je vais quand même vous livrer le fruit de nos réflexions. Déjà, deux points positifs que l'on peut noter, si on peut vraiment qualifier ça de positif, mais en tout cas, c'est les sommes qui ont été récupérées sur la taxe d'habitation et le FCTVA. Monsieur Perron nous a dit que c'était un travail lourdement mené par Madame Him qui a réussi à aller récupérer des sommes depuis 2014 à 2016, notamment qu'on n'aurait jamais dû récupérer. Donc on ne peut que se féliciter de cet apport frais en recettes quasi inespéré, si je comprends bien ce qui m'a été expliqué. En revanche, au regard de ce gain en recettes, on trouve ça un peu moins sympathique, si je peux dire ça comme ça, qu'il soit affecté à des nouvelles dépenses. Parce qu'effectivement, le constat qu'on a pu faire aujourd'hui, c'est que le niveau de dépenses en fonctionnement, j'entends bien, il a encore augmenté par rapport à 2021, passant de 1558 en 2021 à 1705 euros en 2022, alors que la strate, elle est plutôt à 1000 euros, 1014 euros, 1000 euros par habitant.
Donc voilà, c'est dommage de finalement récupérer un petit peu d'argent en fonctionnement pour le réattribuer à de nouvelles dépenses. On aurait peut-être pu, on en reparlera peut-être au moment du point 15, l'affecter à d'autres choses que de nouvelles dépenses en tout cas. Et autre remarque aussi, sur les ratios relatifs à l'encours de la dette par habitant et le pourcentage pareil d'encours de la dette par rapport aux habitants, en fait on fait le constat que ça n'a pas été mis à jour aujourd'hui par rapport à l'emprunt des 6 millions dans le tableau, dans les chiffres que vous nous avez présentés, et que selon nos calculs, finalement, la dette, elle ressortirait, si on ajoute les 6 millions qui ont été votés donc au moment du budget la dernière fois, à 1 515 € par habitant, ce qui représente à peu près 89% des recettes de la commune, quand pour la strat, toujours dans les statistiques que l'on aime bien exposer au moment des finances, on est plutôt à 69%. Donc malgré l'excellent travail qui a été fait pour récupérer le FCTVA et les bonnes surprises sur la taxe d'habitation, et en cohérence aussi avec le fait qu'on n'ait pas vu voter le budget primitif, on votera contre cette délibération. Je vous remercie. Alors on a une incertitude forte, vous ne l'avez pas signalé, mais Claude en a rapidement parlé. Il s'agit de l'augmentation probable du point d'indice des fonctionnaires. On est parti sur une base de 30 000 €. J'ai le sentiment qu'on est en deçà de ce que ça va nous coûter. Je pense qu'on sera amené à certainement reproposer une DBM un peu plus tard. Mais ceci dit, là encore, les engagements pris par le président avant l'élection étaient des engagements fermes et définitifs. Donc en théorie, le point d'indice devrait augmenter. Il y a un certain nombre de déclarations qui ont été faites également sur l'augmentation du SMIC. Seront-elles réelles ou pas à compter du 1er septembre, à compter du 1er août? Pour l'instant, c'est le silence total. On nous parle plutôt de la rentrée et du manque de profs. Donc c'est, voilà, il y a une inconnue assez forte qui pèse pour l'instant sur ce montant-là. On a peut-être été en deçà, on verra. On ajustera le cas échéant et on entend en tous les cas vos remarques, Monsieur Serrero. Y a-t-il d'autres prises de parole? S'il n'y a pas d'autres prises de parole, nous allons procéder au vote. Y a-t-il des votes contre? Donc 6, 7 plus le pouvoir de Monsieur Perron. Merci. Délibération numéro 2, admission en non-valeur de créances irrécouvrables. Vous connaissez maintenant la procédure. C'est toujours Claude qui nous la présente. Oui, elles sont irrécouvrables malgré les efforts de nos services et du Trésor public. Donc, malheureusement, on doit passer avec l'accord du Trésor public, et ces chiffres viennent du Trésor public, hein, ce n'est pas Mme Hime qui les sort, en pertes et profits de 1 119,09 €, qui correspond à des non-paiements sur notamment de la cantine, et ça représente trois familles que je ne vais pas citer, bien entendu. Des commentaires, des questions, des remarques? Bon, c'est rituel maintenant. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 3. Il s'agit de la reprise de provision pour créances douteuses. Et c'est toujours Monsieur Mazard. Alors, avant qu'elles soient irrécouvrables, elles deviennent douteuses. Et quand elles sont douteuses en 2021, qu'elles n'ont pas été régularisées ou qu'elles sont passées en non-valeur, eh bien, il faut les sortir. Donc, on a aujourd'hui un montant de 1 065,88 € en créances douteuses qu'il faut sortir, et qui vont être notamment réintégrés dans notre présentation suivante, dans le total qui sera indiqué. Des questions? Pas de questions. On va voter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vote à l'unanimité. Merci. Note de présentation numéro 4. Il s'agit maintenant de la constitution de provision pour les créances douteuses, et c'est toujours Monsieur Mazard. Donc elles sont douteuses, mais elles peuvent être payées, hein, bien entendu, parce que le Trésor public il continue à faire des relances, est parfois réglé, même de petits montants. Si vous avez une dette de 100 € et que vous réglez tous les 6 mois 10 €, elle reste douteuse, mais elle n'est pas irréprochable. C'est-à-dire qu'absolument, on peut avoir la décision totale du remboursement global de la dette.
Donc elles sont douteuses jusqu'au moment où elles sont payées ou elles sont impossibles à récupérer. Donc vous avez un total pour les années 2016 et 2018, notamment deux débiteurs, qui correspond à 1 254,20 €, et c'est toujours de l'éducation jeunesse. Des questions ? Pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Si je peux juste me permettre de rajouter un tout petit mot, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a des efforts qui ont été avec le Trésor public apportés depuis 2014 sur les relations que nous avons avec les débiteurs. Et il faut savoir que depuis 2014-2015, les dettes ont été divisées par deux. Parce qu'il y a une méthodologie, aussi bien avant que la dette passe au Trésor public, y compris même quand c'est au Trésor public, on continue, nous, à relancer, on les reçoit, on les relance, on les fait passer au CCS s'il y a besoin. Donc il y a eu un gros effort d'impayé qui a été divisé par deux. Alors, pour compléter l'information que délivre Claude, nous avions noté, quand on était arrivé aux places en 2014, que nous étions, dépourvus de la capacité de poursuivre au-delà d'un mois. De manière systématique, ça remontait auprès de la Trésorerie générale. Et c'était d'autant plus étonnant qu'on avait, après consultation, mais dans le même temps, l'agence comptable du lycée Flora Tristan était le comptable du collège Eugène Carrière. Nous savions qu'à Eugène Carrière, par exemple, il n'y avait pas d'impayés, ou en tous les cas très très peu. On les comptait sur la doigt d'une main. Il en était de même sur le lycée, en comparant bien évidemment les populations gournaisiennes, hein, sinon ça n'a pas de sens. Donc la différence, elle se faisait simplement sur la capacité qu'avaient les établissements à relancer celles et ceux qui ne payaient pas, et éventuellement de les accompagner socialement lorsqu'il y avait des difficultés. Nous avions obtenu, et d'ailleurs on était ensemble avec Claude, auprès du trésorier principal, la possibilité à l'époque de gagner un mois simplement, de manière exceptionnelle et dérogatoire. Nous avons conservé cette dérogation qui porte ses fruits. Je pense même que si nous avions la possibilité d'aller au-delà de ces deux mois, de faire un peu comme on le fait dans les agences comptables ou dans les intendances d'établissements scolaires, nous pourrions aller plus loin. Bon, sauf que le droit manifestement ne le permet pas, mais c'est cette action. C'est simplement ça, de garder la main pour pouvoir relancer simplement avec les services qui a fait la différence. Alors, bon, ça s'est traduit par une amélioration, tant mieux, mais c'est juste ça. Et je suis même convaincu que on serait encore meilleur si nos services avaient la main plus longtemps. Voilà, pour compléter l'information de Claude. Délibération numéro 5. Il s'agit d'un complément de subvention attribué à deux associations sportives de Gournay-sur-Marne. À toi, Claude. Ah oui, vous vous souvenez que quand on vote les subventions aux associations en début d'année, on explique que toute demande sur des couvertures de projets, d'idées que nous pourrions aider parmi les associations doivent nous être soumises et étudiées. Et effectivement, on peut couvrir tout ou partie de ces projets. Donc, on a rencontré pas mal d'associations. Deux ont demandé des subventions complémentaires. L'aérobic de Gournay, qui fait un déplacement au championnat de France. Qui a fait, pardon, oui, 21-22 mai. Déplacement au championnat de France à Clermont-Ferrand. Donc on les aide jusqu'à hauteur de 400 euros. On aimerait les aider jusqu'à hauteur de 400 euros. Et le volleyball de Gournay, pour l'organisation d'un tournoi, le Green Volley Gournay, qui va se passer le 3 juillet dans le parc de la mairie. Donc, ils ont fait une demande et on leur accorde 400 euros. Donc, ça fait un total supplémentaire de 800 euros. Il est à noter d'ailleurs que le football club de Gournay-sur-Marne a, dans le cadre de conventions établies certainement, mais comme nous les avions signées à l'époque entre la ville et l'association pour le prêt éventuel de véhicules, le football club de Gournay-sur-Marne a offert la possibilité à l'association d'aérobic de se rendre sur Clermont avec le véhicule. C'est pour celles et ceux qui vont sur Facebook, vous avez dû voir en tous les cas l'équipe se déplacer entre le prêt du véhicule et la participation financière. On peut estimer que le transport pour cette compétition nationale
n'aura rien coûté à l'association. En tous les cas, merci au football club de Gournay-sur-Marne de l'avoir fait. Il n'y avait pas d'obligation. Mais en tous les cas, c'est un moyen intelligent de mutualiser les uns et les autres un certain nombre de choses. Et ils ont fini sixième pour la petite histoire. Et c'est très chouette, d'ailleurs. Bon, j'ai regardé le petit film. C'est très chouette. Y a-t-il des compléments, des informations demandées ? Monsieur Afonso. Alors, comme on l'a déjà exprimé, nous, notre groupe, on est content que la ville elle aide les associations. On a déjà échangé, monsieur le maire, dessus. On aurait fait différent, mais on est content que vous les aidiez. Juste, par rapport à ces subventions, ces compléments de subventions, en fait, nous, on aurait aimé, parce qu'on n'a pas fait de commission bien vive depuis un certain temps, depuis plus d'un an. Et donc, en fait, on nous présente les projets là pour donner une subvention avec un montant, mais on ne sait pas la vraie nature du projet, combien ils ont demandé, les vrais besoins. Donc, si on pourrait faire une commission bien vivre plus régulièrement. Voilà. Alors, comment dire, moi, je ne vais pas vous donner tort sur la régularité des commissions. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Je le rappelle parfois et je le redis devant tout le monde, ce qui permettra peut-être d'en poser de manière plus régulière. Ceci dit, il y a peut-être des précisions à apporter sur ces demandes-là. Aujourd'hui, sur le montant total qui avait été demandé, etc. Claude peut-être peut donner des indications. Il faut savoir que sur les demandes de subventions, c'est quand même très très aléatoire et variable dans le temps. Ça peut arriver presque à tout moment, c'est le principe. Nous avions d'ailleurs indiqué auprès des présidents d'associations qui aussi organisaient des stages, qu'on était prêts aussi à accompagner. C'est parfois modeste, mais ça peut permettre de participer à l'indemnisation des formateurs ou des animateurs qui interviennent. Enfin bref, en partie sur la réponse des demandes, si tu peux apporter des précisions. Oui, bien sûr. Alors, chaque association contactée ou non contactée et qui nous font des demandes produisent un document qu'on étudie. Par exemple, le championnat de France à Clermont-Ferrand, le coût de l'association donnée est 1 750 €. D'accord ? Il y aurait 400 € de location de voiture pour 8 personnes, 300 € de carburant et péage, 570 € de logement, 480 € de repas. Il a fallu faire un pronostic de ce qu'on pouvait effectivement proposer comme subvention. On ne va pas donner la totalité des subventions. Je trouve qu'il faut que l'association assume aussi une partie de ses dépenses. Et d'ailleurs, les subventions qu'on donne au début d'année participent aussi à la couverture de ses frais. Donc on a dit qu'on a pensé que 400 € pour les frais de déplacement, ça pouvait être quelque chose de raisonnable, qui pouvait aider l'association et qui permette effectivement à cette association, alors qu'on ne savait pas à l'époque que le club de foot pouvait prêter éventuellement son petit camion, enfin son 9 places, alors qu'il partait à 8. Donc nous on s'était dit couvrir les frais de déplacement, c'est pas mal, à eux d'assumer le reste des frais de déplacement. Voilà, c'était l'idée. Quant au Green Volley, on n'a pas eu une demande spécifique avec un montant... Tu l'as ? Ah ben, vas-y, je t'écoute. Attendez de reprendre la main, merci Claude. Concernant le volet, donc il s'agit d'un tournoi plutôt départemental, voire extra-départemental, réservé à des jeunes garçons nés entre 2007 et 2009. Donc c'est un public actuellement non accueilli dans le club de volet, puisque le club de volet, c'est un volet loisir et il n'y a pas d'enfants. Et donc le budget qui nous avait fait parvenir s'élevait à 1 088 €. Dans ce budget-là, j'ai déjà aidé le président du club à faire intervenir la Croix-Blanche à moindre coût pour sécuriser la matinée. Et ensuite, ça correspond effectivement, les 400 € correspondent, enfin les frais correspondent à des achats de coupes, de délimitation de terrain, etc. Voilà. Et en ce qui concerne la commission Bien Vivre, effectivement, c'est moi qui suis censé la tenir et je suis au regret de ne pas l'avoir tenue depuis quelque temps parce que Bien Vivre à Gournay, sous la Covid, on avait tout arrêté, mais je vais les reprendre avec grand plaisir, ne vous inquiétez pas.
J'espère qu'on a... Enfin, j'ignore si les réponses vous conviennent, mais en tous les cas, c'est un élément de réponse. Monsieur Serrero. Je voulais juste peut-être préciser la question qui a été faite. Elle n'était pas de savoir exactement le budget ou de remettre en cause vos arbitrages, parce que vous êtes là pour arbitrer et vous le faites. C'était plus pour se sentir associé et pas arriver finalement en conseil et juste avoir des sommes comme ça. On ne remet pas du tout ni en cause les demandes qui ont été faites. Au contraire, on trouve que c'est une bonne chose que vous puissiez abonder quand il y a des demandes un peu exceptionnelles comme ça, comme nous, on a tâché de le faire, effectivement, quand on nous a demandé le minibus, ce qui fut un temps où on était sous convention, mais on n'a pas renouvelé cette convention. On l'a fait quand même, parce que voilà, si on peut s'entraider entre associations, effectivement, c'est toujours intéressant, mais c'était plutôt d'échanger voilà, sur des projets, comme on peut le faire dans de nombreuses commissions. Alors moi, je fais partie de la commission intergénérationnelle, et c'est le cas systématiquement avec Mme Poncelin. C'est pareil au CCAS, voilà, c'est de se sentir aussi un petit peu concerné par les décisions qui sont prises, et pas juste de les avoir... 5 jours avant un conseil, sans détail, mais ce n'était pas pour remettre en cause les choix qui avaient été faits, quoi, budgétairement parlant, disons. Merci de ces précisions. Monsieur Dacuna. Non, je voulais juste amener une précision, c'est que le Volley Club de Gournay, depuis le début de l'année, a dans ses effectifs des enfants de 15 ans. Donc voilà, c'était juste une précision. Parce que c'est aussi ce qui a motivé, je pense, par le président, cette volonté de créer un green volley au mois de juillet, le fait de pouvoir mettre... les enfants qui sont avec le club de volley en situation. Et nous accueillons M. Souza, je le dis simplement pour que le compte-rendu et que ça soit clair au niveau des votes et des pouvoirs. On est sur la délibération numéro 5 et M. Joël Souza va pouvoir voter. S'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc c'est un vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 6. Il s'agit de la mise en place de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023. Avant de laisser Claude présenter, je souhaite revenir simplement sur un point de détail, qui n'est qu'un point de détail, mais qui a de l'importance pour moi, ne serait-ce que par rapport à ce que je vous dis. Lorsque vous lisez le document des finances publiques, il est indiqué par courriel du 21-03-2022, vous me demandez en application du décret, etc., etc., du 30 décembre, mon avis sur l'adoption du référentiel par droit d'option pour la ville de Gournay-sur-Marne à côté du 1er janvier 2023. En application des dispositions précitées, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre demande et de vous faire part de mon accord de principe. Je vous garantis que je n'ai jamais demandé la mise en œuvre de la M57. Je continue de dire que nous avons été sollicités par les impôts. Je continue d'affirmer que Madame Ingrid Im, malgré sa compétence, sa technicité et son envie, était très très réservée, et que c'est à l'issue d'une rencontre qui a été menée dans mon bureau avec à la fois le trésorier général principal, mais avec le responsable départemental, que l'affaire a été menée. Mais ça n'a pas d'importance particulière, mais je l'avais déjà annoncé à l'occasion de la présentation du budget, on n'a rien demandé du tout. Néanmoins, on a accepté de le faire, et l'idée, c'était d'ailleurs de commencer avec le CCAS, parce que les choses sont faites et menées correctement. Voilà. Je te rends la parole. Alors, je ne vais pas vous faire lecture des 4 pages, hein, bien sûr. Monsieur Perron l'aurait fait bien mieux que moi. L'instruction budgétaire et comptable M14 est le cadre juridique qui réglemente la comptabilité des communes françaises depuis 1997 et a subi une réforme en 2006. Cette M14 a remplacé la M11 et la M12. Il existe aussi la M52 pour les départements, la M61 pour les services départementaux d'incendie et de secours, la M71 pour les régions, la M831 et 832 pour les centres nationaux de gestion de la fonction publique et territoriale. Cette instruction comptable et budgétaire M57 va notamment harmoniser les règles comptables de toutes les collectivités. Elle devra être appliquée au plus tard le 1er janvier 2024. Le trésorier principal nous a demandé lors d'un rendez-vous à la mairie si nous accepterions d'appliquer cette nouvelle norme comptable dès le 1er janvier 2023, ce que nous avons accepté. Un tiers des collectivités sont passées à la M57 au 1er janvier 2022. Un tiers au 1er janvier 2023 et le dernier tiers risque de passer en 2024.
La collectivité va se doter d'un règlement budgétaire et financier, un RBF, qui va fixer les règles de gestion et les modalités d'information de l'Assemblée. Ce RBF est obligatoire et devra être voté avant le 31 décembre 2022. La M57 applique la règle de l'amortissement pro rata temporique, temporis, et fixe la durée des amortissements et détermine la liste des catégories et sous-catégories des biens amortis. Le seuil d'amortissement est porté de 750 à 1 000 euros. Alors vous avez le tableau en annexe qui montre en fait, sur cette partie-là, le travail qui a été fait par Mme Im et qui montre par exemple l'éclatement de certains articles budgétaires comme les 2041 qui s'appelle subvention d'équipement aux organismes publics qui est éclaté en un certain nombre de sous-articles, 2041, etc. pour les biens mobiliers, etc., etc. Donc il va y avoir une possibilité d'avoir une analyse plus fine de chaque poste. Cette M57 donnera la possibilité de procéder à des virements de crédit de chapitre à chapitre au sein de la même section de fonctionnement et d'investissement dans la limite des 7,5% des dépenses réelles de la section, sauf en ce qui concerne les charges de personnel. Ça s'appelle la fongibilité des crédits. En fait, tout simplement, le premier point que nous venons de voter, la décision modificative, elle n'aura lieu qu'avec exclusivement des augmentations de charges de personnel. Tous les autres mouvements, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de fonctionnement et d'investissement, seront faits automatiquement sans avoir besoin de passer par un vote. Tout ça limité dans un mouvement de 7,5% des charges des dépenses réelles d'investissement et de fonctionnement. Donc ça va alléger non seulement la gestion, la décision et puis ce genre d'informations que de toute façon vous aurez systématiquement dans les documents. La gestion des dépenses imprévues est facilitée puisque les dépenses de fonctionnement et d'investissement imprévues seront autorisées dans la limite de 2% des dépenses réelles de chaque section et seront comprises dans les 7,5% de fongibilité des crédits. Enfin, nous devons auparavant apurer le compte 1069 pour un montant de 114 699,16. Ce mouvement est déjà prévu au budget primitif 2022. Donc c'est un résumé extrêmement rapide. Il va y avoir d'autres étapes. Donc il va falloir, bien sûr, créer ce RBF. Et d'ailleurs, on a proposé à M. Perron d'y participer, c'est-à-dire qu'il va y avoir une première trame qu'on va pouvoir travailler en interne. On va le soumettre à la Commission des finances qui va apporter peut-être sa première lecture, sa deuxième, ses modifications, qu'on va pouvoir prendre en compte sans doute et qu'on va après vous proposer avant le 31 décembre 2022. Et au 1er janvier 2023, nous serons effectivement sous la M57. Donc il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 pour le budget principal de la ville de Gournay-sur-Marne à compter du 1er janvier 2023, conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023, approuver la mise à jour de la délibération 3 octobre 2019 en précisant les durées applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature, conformément à l'annexe jointe, les autres durées d'amortissement correspondant effectivement aux durées habituelles d'utilisation restant inchangées. Calculer l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisation pro rata temporis, aménager la règle du pro rata temporis dans la logique d'une approche par enjeu pour les subventions d'équipement versées et les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 1 000 euros TTC, ces biens de faible valeur étant amortis en une annuité unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition. Procéder en une fois à l'apurement du compte 1069 pour 114 699,16 euros et autoriser monsieur le maire à procéder à compter du 1er janvier 2023 à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. Et enfin, autoriser le maire à signer tout document permettant l'application de la présente délibération. Monsieur Perron, à vous, si vous nous écoutez. Monsieur Serrero. Je vais encore une fois essayer de
tenter de prendre la place de Monsieur Perron. Je ferai certainement plus rapide et moins bien, comme vous l'avez dit aussi, Monsieur Mazard, mais je vais essayer quand même. En premier lieu, pour rebondir sur ce que vous avez dit, Monsieur le maire, alors subi ou voulu, nous, on avait déjà salué cette initiative, en tout cas de l'anticiper au moment du budget, et on le réaffirme ce soir, parce qu'on se dit que plus on s'y prend tôt, plus on aura peut-être un accompagnement poussé des services de l'État, notamment du Trésor public, pour la mise en place. Donc ça peut être finalement qu'un avantage, même si ça demande un travail un peu plus en amont que d'autres villes. Mais en tout cas, on aura peut-être une meilleure écoute. Donc sur ça, on est plutôt nous satisfaits de ce travail qui est mis en place, en tout cas. Sur le reste, grosso modo, de la présentation qui nous a été faite par M. Mazard, on n'a pas grand-chose à dire dessus. Vous l'avez très bien dit, M. Perron nous l'a fait savoir quand on s'est réunis aussi pour préparer ce conseil. Il va participer grandement avec vous au sein de la commission à toutes ces réflexions. Donc, je pense que la commission sur ça fait déjà le nécessaire et vous avez l'occasion d'échanger. Donc, je ne vais pas tout reprendre. Une seule chose nous a fait un petit peu tiquer, et je pense que vous l'imaginez bien, c'est justement la question de la fongibilité des crédits. Alors si on a conscience effectivement que c'est un gain de temps de ne pas avoir des décisions modificatives à passer régulièrement en fonction des avancées, les 7,5% nous semblent un seuil assez grand. Parce que comme vous l'avez rappelé d'ailleurs dans la note, clairement, c'est à peu près 1 million d'euros en fonctionnement et à peu près 700 000 euros dans la section d'investissement. Donc c'est quand même des sommes sur lesquelles, en fait, la possibilité d'en débattre anciennement sur une décision modificative et peut-être d'abaisser les seuils aussi, c'est de rendre compte un peu plus facilement au conseil municipal qui a peut-être pas, ou sur lequel on n'a peut-être pas tous la compétence d'aller lire les détails dans les grands livres et tout, même si pour nous on a M. Perron qui le fait très bien, mais ça permet parfois d'en discuter avec vous au sein du conseil et donc de pouvoir échanger et de comprendre et de donner notre position plus régulièrement en tout cas. Donc la proposition qu'on voulait vous faire sur ça, parce que alors c'est difficile, on va devoir prendre une position dont le vote va finalement pas refléter l'entièreté de notre réflexion, mais parce que c'est un vote global sur 8 points différents. Et nous, en fait, la proposition qu'on voulait vous faire sur celui-là, et notamment sur la fongibilité, c'était d'abaisser le seuil à 3% au lieu des 7,5%, vous laissant donc, selon nous, une marge de manœuvre quand même pour éviter les décisions modificatives comme celle de ce soir, tout en permettant une meilleure transparence, et vous m'excusez si ce n'est pas le terme qui vous convient, mais en tout cas, une meilleure information du Conseil municipal. Voilà pour les remarques. Avant de te donner la main, je voudrais juste savoir quelles sont les libertés. Je vous avoue ne pas maîtriser le sujet de la M57. Très honnêtement, je ne m'en cache pas. Autant sur d'autres sujets, j'affirme peut-être ou je défends. Je vais laisser Claude se dépatouiller avec ça. Est-ce qu'il y a... quelles sont les capacités que nous avons de décider des différents seuils? Est-ce que ça a été abordé en commission déjà ou pas? Non. Alors, lors de la commission, on n'a absolument pas abordé ce sujet-là. Je ne sais pas si on a la possibilité de pouvoir baisser ce taux, et si ce n'est pas un taux qui est imposé, ça, j'en sais rien, on va vous répondre. Maintenant, les chiffres que vous donnez, qui sont les 7,5% sur le fonctionnement et l'investissement, il ne faut pas vraiment prendre cette année, parce que cette année est une année exceptionnelle au niveau des dépenses, vu les dépenses d'investissement que nous avons connues, et aussi de fonctionnement. Donc, il faut imaginer une année normale, c'est à peu près 13 millions d'euros, globalement, aussi bien en fonctionnement qu'en investissement. Donc, il faut rester sur ces chiffres-là. Alors, 7,5%, ça peut être trop. Peut-être que si c'est une obligation, on peut trouver une autre solution, si M. le maire l'accepte, peut-être de vous présenter peut-être malgré tout des décisions modificatives, je ne sais pas, ça c'est très politique. Maintenant, je comprends bien votre réticence, ce n'est pas forcément sur les 7,5%, je ne pense pas, c'est plutôt d'avoir une imposition de modification d'un budget sans avoir la connaissance de cette modification, et ça je le comprendrais. Maintenant, les 7,5%, est-ce qu'ils sont modifiables? Ça franchement, je ne peux pas vous le dire, je ne le sais pas. Ce que je peux simplement... Bon, j'entends plusieurs choses dans ce qui est évoqué ce soir. Finalement, si je traduis très très rapidement, c'est de pouvoir participer un peu plus finalement aux décisions qui sont prises, que nous soyons d'accord ou pas sur l'issue du vote.
mais c'est qu'au moins nous ayons la possibilité d'en discuter. Moi, c'est un sens démocratique qui me plaît bien et qui me convient. Il faut simplement qu'on trouve le mode de fonctionnement qui garantisse que ça fonctionne sans frein, sans ralentir le système, etc. Et le terme de transparence, qui est un peu le galvaudé qu'on utilise souvent, est quand même utile. On peut débattre et finir au bout du débat sans avoir du tout été d'accord sur le fond et peut-être sur la forme, mais je n'ai aucune réserve sur l'idée que nous puissions essayer, si les textes le précisent, mais je ne m'avancerai pas plus sur la M57. Ce que je vous propose simplement, c'est de la voter en état, avec les réserves qui sont les vôtres, et de baisser le taux en fonction des réponses qui nous sont faites par les services de l'État sur cette question-là en particulier, et de soumettre à l'occasion du futur conseil municipal en débat librement entre nous la hauteur de ce qui vous semblera acceptable tous ensemble, comme on se le fait d'ailleurs nous au sein des groupes quand on décide ou pas du montant d'une augmentation, ce qui est le cas un peu plus loin dans la délib 15. Est-ce que ça pourrait vous aller, monsieur Serrero? C'est très bien, je vous remercie. Si on part là-dessus, on attend une réponse et en fonction de la réponse, on rediscute ici de ce point-là en particulier, simplement, qui sera une certaine forme d'avenant, je ne sais pas si le terme convient bien, mais au principe évoqué. D'accord, Claude? Tu vois? Parfait. Y a-t-il d'autres remarques sur ce point-là? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc vote à l'unanimité au regard de ce que je viens simplement d'indiquer avec la réserve de la modification possible. Si je Merci. Peux juste rajouter quelque chose, monsieur le maire, c'est effectivement quand on lit ce que nous avons à voter, je pense qu'il y a la possibilité de modifier ce taux, puisque autoriser le maire à procéder à compter du 1er janvier à des mouvements de crédit, etc., à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5%. Limite, c'est le maximum. Ça se comprend comme un maximum. Alors, est-ce que c'est une limite, mais voilà, est-ce que les textes disent que ça donne une limite, mais ce n'est pas 3%? Voilà. Bon, on revient de toute façon sur cette question-là à l'occasion du conseil municipal du jeudi. Combien, ma chère Nathalie? 7 juillet. Note de présentation numéro 7. Il s'agit de la création et de la tarification de l'école de musique municipale pour la rentrée septembre 2022. Et c'est François Derre qui nous la présente. Donc l'école de musique de Gournay-sur-Marne est actuellement gérée, comme vous le savez, par l'AMG, l'association musicale de Gournay, régie sous la loi 1901. Dans ce cadre-là, une convention est établie annuellement avec la ville qui lui met à disposition des locaux, du matériel, qui paye les fluides, du mobilier, et une subvention est également votée qui permet de financer le demi-poste de direction de l'école de musique. Dernièrement, l'AMG a exprimé sa volonté de se concentrer davantage sur le montage de projets événementiels plutôt que de s'investir dans la gestion quotidienne de cette école. Le bureau est là depuis de très longues dates et ils aimeraient passer la main. Et du coup, la municipalité souhaite prendre la balle au bon et du coup prévoir une municipalisation de cette école afin que cet enseignement perdure pour tous les Gournaisiens. Donc, de ce fait, la ville prévoit la création d'un service municipal qui permettra de continuer cet enseignement. Dans le cadre de cette municipalisation, nous proposons également de mettre en place une tarification soumise au quotient familial, comme on l'a déjà appliqué dans d'autres services, afin que le plus grand nombre d'entre nous puisse accéder à la musique. On sait que c'est un enseignement qui est onéreux.
Et donc, on vous soumet un tableau juste à la fin de cette note de présentation qui permettrait de partir sur 15 tranches avec un quotient familial niveau 15 qui serait le prix actuel payé par les Gournaisiens dans cette école et qui permettrait à la tranche la plus faible de payer moitié moins cher qu'elle ne paye aujourd'hui. Voilà, ce quotient familial s'appliquerait donc du coup aux enfants gournaisiens de moins de 18 ans ainsi que les étudiants de moins de 25 ans. Je crois avoir résumé la situation et du coup la note de présentation, il est donc proposé au conseil municipal 1. D'autoriser la création du service municipal école de musique et d'autoriser monsieur le maire à effectuer toute démarche afférente pour mener à bien cette création et 2. De fixer les tarifs des ateliers proposés au sein de l'école de musique, tarifs que vous pouvez retrouver suivant les ateliers, etc. là, sur la page d'après. Avec donc ces cautions familiales, et puis le tarif hors gournaisien que l'on souhaite mettre au-delà du quotient familial 15, puisque effectivement la priorité de notre action se porte sur les gournaisiens. Y a-t-il des questions, Monsieur Serrero? Je vous remercie. Quelques remarques et questions à la fois, même si je sais la complexité des questions que je vais poser. Sur le principe de la création, évidemment, on ne peut que soutenir ce projet, puisque l'accès à la culture et notamment à la musique pour les plus jeunes, même si ça ne concerne pas que les jeunes, mais pour les plus jeunes, c'est une bonne chose, se pose quand même la question du budget et de ce que ça va finalement impliquer, cette municipalisation, par rapport aux subventions que vous donniez, que ce soit en nature avec les locaux, etc., pécuniaire, on va dire, avec la subvention qui était allouée au demi-poste, comme vous le disiez, Monsieur Der. Du coup, on voudrait savoir si, même si c'est un petit peu difficile, parce que vous n'avez pas forcément de recul sur qui va être, combien seront les prochains adhérents, sur quelle tranche de quotient familial, est-ce que vous avez à peu près un budget prévisionnel qui est établi? Est-ce que vous avez à peu près une idée de ce que ça va coûter en plus à la commune? Et toujours sur le budget, sur quelle base ont été établies les différentes tranches du quotient familial? Est-ce que vous avez à peu près des données qui vous ont permis de découper ainsi, par l'expérience que vous avez pu avoir du retour de l'association sur les adhérents? Voilà. C'est plus une question d'ordre budgétaire pour comprendre l'impact que ça va pouvoir avoir finalement sur le budget de la commune, différent de celui qui était quand c'était une association. Je vous remercie. Merci. Essayer de répondre sur quelques points sur lesquels je peux apporter en tous les cas des précisions. L'idée, elle est claire, hein, c'est de faire en sorte que demain, finalement, les Gournaisiens puissent envoyer leurs enfants à l'école de musique et que ça coûte finalement moins cher. Dans votre question, comme souvent lorsqu'on les pose, il y a une partie des réponses qui viennent assez naturellement sur l'inconnu qui est la nôtre aujourd'hui à la rentrée, à savoir combien nous allons réellement pouvoir accueillir de jeunes et peut-être de moins jeunes à l'école de musique. L'idée de départ, et c'est pourquoi peut-être que certains d'entre vous pourraient trouver modeste notre point de départ, on est parti du principe que nous allions appliquer le quotient familial uniquement sur la moitié de la tarification en vigueur. Partant du principe qu'à minima, les gens, déjà l'engagement qui était le nôtre, c'était que ça ne coûte pas plus cher à tout le monde, et c'était de se dire, il y aura nécessairement et forcément des gens qui vont pouvoir bénéficier forcément du quotient familial. Il est difficile d'avoir une estimation sur la montée. Si aujourd'hui j'ai 110 élèves à l'école de musique, à la rentrée prochaine, on n'a pour l'instant aucune indication sur la réinscription parce que celles-ci vont démarrer à compter de mi-juin. On ne sait pas aujourd'hui quel sera le nombre exact d'enfants, et je pense surtout à eux, qui vont se réinscrire. En tous les cas, on est en train de recruter le directeur ou la directrice de l'école de musique.
pour que les choses se fassent assez vite et que nous puissions finaliser l'organisation pédagogique à la rentrée prochaine. L'idée, c'est de se dire que, à minima, je prends la structure de cette année et je me dis que cette structure, elle va fonctionner à la rentrée de septembre. Je ne pars pas du principe pour l'instant que je vais créer des cours d'instruments qui n'existeraient pas aujourd'hui. Si j'ai trois profs de piano qui répartissent leurs cours sur les 6 jours de la semaine, eh bien pour l'instant, je ne pars pas du principe que je vais faire exploser les cours de piano. Sachant que naturellement, dans une école de musique, les instruments sollicités en majorité, et principalement, c'est le piano et le violon. Bon. Pour l'instant, c'est de lancer la municipalisation et de voir, en gros, quelle sera l'attitude des familles. Est-ce que, sachant que ça coûte un peu moins cher, on va avoir des sollicitations nouvelles? Mais nous savons aussi que l'école de musique, déjà physiquement, elle est restreinte, et qu'on ne pourra pas multiplier et accueillir, parce que la puissance publique, si elle existe, elle n'a pas des moyens financiers qui nous permettront d'aller au-delà d'un certain nombre d'adhérents qui n'est pas fixé encore aujourd'hui. Il n'est pas fixé parce qu'il nous faut aussi avoir des garanties sur l'organisation pédagogique réelle qui sera mise en place à la rentrée. Mais à minima, pour l'instant, c'est de se dire, nous conservons exactement la même structure. Si j'ai 80 gamins ou adultes qui vont se réinscrire à compter de la rentrée, donc qui vont se pré-inscrire là en juin et qui s'inscriront officiellement à l'occasion du forum, ben ça veut dire qu'il restera 20 places en gros, si je bouge rien. Une fois qu'on aura fait ça, avec le futur directeur ou la future directrice, on pourra essayer de juger ce qu'il est possible de proposer en ayant... toujours en tête ce qui va avoir un coût. Il faut comprendre que l'école de musique, c'est aussi des recettes, hein. C'est des recettes et c'est la dépense des professeurs. Pendant de nombreuses années, l'école de musique, en tous les cas avant qu'on participe, c'était comme ça vraiment que ça se faisait, hein. J'ai été membre du bureau de la MG pendant de nombreuses années. Et le but du jeu, c'était, on retrouve toujours les mêmes, hein, d'ailleurs, dans les associations et autour de la table. C'est à peu près toujours la même histoire. On essayait toujours d'équilibrer les recettes en termes d'adhésion et puis finalement le salaire qui allait être offert aux professeurs. Le principe n'est plus tout à fait le même, puisqu'on n'a pas forcément, et à partir du moment où on met en place le quotient familial, on n'a pas forcément, la volonté systématiquement d'être à l'équilibre. On apporte un service supplémentaire et ce service supplémentaire, on part du principe qu'il peut avoir un coût pour la collectivité, mais qu'il peut faire œuvre sociale. Pour ce qui est, c'est un point que vous n'avez pas évoqué, je l'évoque rapidement, pour éviter la surcharge administrative que cela pourrait créer sur la prise en charge en gestion des professeurs, on garde exactement le même fonctionnement que celui qui existe aujourd'hui, à savoir qu'une association dont j'oublie toujours le nom a en charge le traitement et l'établissement des feuilles de rémunération des enseignants, etc. On garde exactement le même circuit, AS, je ne sais plus combien, je ne sais pas comment ça s'appelle, PSV 78, qui fait déjà pour l'AMG et qui joue le même rôle aujourd'hui. Cette possibilité est confirmée et existera toujours à la rentrée. Ça évite de prendre à notre charge, si vous voulez, des complications supplémentaires en termes de gestion de dossiers supplémentaires en fonction du nombre de profs. Vous l'avez fort bien dit, les 30 000 de subventions que nous accordions, grosso modo, c'est à peu près ça de mémoire, à l'école de musique, on ne va plus les accorder. On était censé leur donner l'équivalent d'un demi-salaire de la personne qui gérait, c'est-à-dire à hauteur de 18 000, puisque ça devait représenter le double. Ces 30 000, nous ne les donnons plus et nous prenons à notre charge l'entièreté. Sachant que la personne que nous allons recruter, le contrat de travail de cette personne démarrera à compter de la mi-août,
à minima. Donc on n'aura pas plus à verser cette année sur la prise en charge que d'habitude, puisqu'il nous restera septembre, octobre, novembre, décembre, plus la moitié du mois d'août. Ensuite, la ville va avoir à prendre à sa charge le différentiel, et c'est compliqué de l'estimer avec certitude, parce que si certains élèves sont déjà dans nos bases, puisque les enfants qui fréquentent les écoles de Gournay-sur-Marne, ils sont déjà inscrits chez nous. Pour l'instant, les réinscriptions n'ont pas été faites. En revanche, pour les autres, ils sont collégiens, ils sont lycéens, et on n'a pas forcément dans nos bases le fait qu'ils soient aujourd'hui sur tel coefficient, etc. C'est pourquoi on y va sur la pointe des pieds, si vous voulez. On a la volonté politique de prendre à notre charge, en se disant que les moyens, c'est d'ailleurs pourquoi sur la note numéro 15, on va vous proposer une augmentation, c'est que s'il y a un certain nombre de choses qui sont possibles avec la puissance publique, il y a des choses qui ne le sont pas forcément, ou en tous les cas en totalité. Donc il nous est très difficile aujourd'hui de donner des réponses. On peut essayer pour la prochaine fois, au regard des informations que nous avons en stock, au prochain conseil municipal, on peut demander à notre directrice financière de se mettre en lien sur ce que nous avons aujourd'hui par rapport... On aura les réinscriptions, donc on pourra vous dire, non pas au doigt mouillé, mais en tous les cas, sur les informations, sur les réinscriptions, et en gros sur les places qui resteront, ce que ça pourra coûter à la ville, au moins pour la fin de l'année. Je suis pas sûr, je sais que ça ne peut pas convenir complètement comme réponse, hein, mais très honnêtement, je n'ai pas tous les éléments aujourd'hui pour vous garantir un résultat assez fiable en termes de montant financier en dépenses réelles. C'est difficile, pour les raisons que je viens d'indiquer. Juste deux compléments avant, Nicolas. Pour compléter les propos de M. le maire, ce dont on est sûr, c'est que les profs seront payés à minima le même prix qu'aujourd'hui. Oui. Ça, c'est sûr. Et ensuite, l'offre offerte aux Grandésiens sera même, pour un tarif équivalent ou 50% moins cher, sera plus importante, puisqu'on a dans l'idée d'offrir une amplitude annuelle plus importante, avec des cours qui pourraient se terminer plus tard dans l'année. Et puis, voilà. Et puis, concernant le QS, ce sont les QF de la CAF, ce sont les mêmes que pour la cantine ou les études. Avec un démarrage anticipé aussi, en gros, ce qui serait l'idéal, ça serait mi-septembre, mi-juin, et avec un peu ce que vous faites dans les associations ou ce que nous avions lancé sur Active Vacances, qu'il puisse y avoir aussi de l'activité musicale pendant les congés, que ce soit les vacances de la Toussaint, les vacances de février, les vacances de Pâques, qui est un vrai, une véritable action politique, sans oublier l'idée de pénétrer le système scolaire, ce qui n'est pas simple. Mais en tous les cas, l'idée, c'est un petit peu ça. On a Claire qui intervient dans les écoles. Eh bien, si nous pouvions à la fois soulager nos professeurs des écoles et offrir peut-être parfois des actions de qualité avec des personnels compétents musicalement, voilà, c'est l'objet, il est aussi simple que ça. Juste, je voulais rajouter, si vous me le permettez, effectivement, on ne vous demandait pas un chiffre précis, on en a bien conscience. Après, c'est vrai que l'AMG, vous l'avez dit, ça fait de nombreuses années qu'elle existe, et puis, comme vous l'avez aussi bien rappelé, il y a un certain nombre de responsables associatifs autour de la table. On peut quand même se dire que si on regarde à 10 ans, par exemple, on prend l'exemple du foot, certainement d'autres associations, on a, grosso modo, à quelques adhérents près, toujours le même taux de remplissage, disons. Nous, on tourne systématiquement entre 350. Alors des fois, par exemple, cette année, on a atteint quasiment 400. L'année d'avant, on était peut-être un peu moins avec le Covid. Mais je veux dire, on a toujours une moyenne qui est constante. Et donc, on est toujours autour de ces chiffres-là. C'était ça le sens de notre question. Et contrairement à ce que vous avez pu dire, pour l'instant, en tout cas, on est satisfait de cette réponse ou des précisions que vous nous donnez. Parce qu'effectivement, on ne comptait pas à ce que vous nous disiez. Ça va nous coûter 32 852,20 centimes de plus qu'avant. Parce que. On ne sait pas, mais c'est vrai qu'effectivement, avoir déjà à peu près une idée de ce que vous avez dit, les coûts des professeurs qui resteront les mêmes, etc., ça nous permet à peu près de nous dire qu'on risque d'engager un budget qui est plus grand qu'avant. Parce que comme vous l'avez rappelé, avec le quotient familial qui va abaisser les prix, certainement ça permettra, et on s'en félicite aussi comme vous, d'avoir peut-être de plus en plus d'enfants qui vont pouvoir accéder à la musique,
Rien que les instruments coûtent cher, si l'école de musique est moins chère, ça permettra d'avoir des cours de qualité à nombreux enfants qui ne l'avaient pas avant. Donc on s'en félicite et on vous remercie pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres éclairages ou d'autres prises de parole ? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Monsieur Dacuna, pardon. C'est avant le vote ou après le vote ? C'est après le vote. Non, je voulais juste au nom du groupe saluer cette action, parce qu'effectivement, comme vous le savez, on l'avait inscrit dans notre programme aux dernières élections, et donc du coup, on trouve que c'est vraiment une chose qui va dans le bon sens, et comme vous le disiez tout à fait justement à l'introduction de votre propos, ça permet de mettre la culture avec un accès plus simple, enfin simplifié en tout cas, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, notamment dans le contexte qui est un peu délicat, le porte-monnaie compte beaucoup, donc c'est une bonne action, c'est une bonne chose, merci. Délibération numéro 8, temps de travail fixant les cycles de travail. Et c'est Madame Poncelin qui nous présente cette délibération. Alors, la mise en place des 1607 heures telles que proposées au Conseil municipal du 15 décembre 21 pour une application au 1er janvier 2022 prévoyait donc 3 cycles de travail, la suppression des jours illégaux comme les jours de médaille ou les jours de retraite et conservait 30 jours de congés annuels. Cette délibération du 15 décembre a été retoquée par le contrôle de légalité, car le nombre de congés annuels dans la fonction publique ne doit pas dépasser les 25 jours, soit 5 semaines. Donc après plusieurs échanges avec la préfecture, celle-ci a imposé de nous mettre en règle avant le 31 mai. Ce délai passé, le préfet aurait pu saisir le tribunal administratif pour dénoncer la délibération avec la possibilité d'une condamnation financière importante. Alors il est bien évident que cette sixième semaine, on ne peut pas la supprimer et ne pas la compenser. Il faut savoir que pour arriver à 1607 heures, nos agents avaient accepté, pour conserver cette sixième semaine, d'avoir une quotité horaire hebdomadaire augmentée. Hein, les agents passant de 35 à 36, à 36 heures, de 37 à 38 et de 39 à 40, il me semble. Et forcément, ce supplément d'horaire va générer des RTT supplémentaires qui viendront compenser en fait cette sixième semaine qu'on ne peut pas leur conserver en l'état. Alors je suis désolé parce que ça a déjà été, mais je suis le seul et unique responsable de ce nouveau vote. Je me suis entêté sur un principe qui est un principe assez simple, à savoir que nous avons normalement la libre organisation d'un certain nombre de choses au regard des compétences qui sont les nôtres. Et j'étais parti du principe que si je ne discutais pas la mise en œuvre des 1607 heures, puisque c'était la loi, il nous appartenait d'organiser le temps de travail de nos agents pour qu'effectivement les agents de la fonction publique territoriale fassent les 1607 heures. Faisant fi de la question des 25 jours légaux. Partant du principe qu'un certain nombre de collectivités ont déjà mis en place les 1607 heures depuis longtemps, le conseil départemental, le conseil régional, ne serait-ce que par les agents du conseil départemental ou du conseil régional qui œuvrent et qui travaillent dans les établissements scolaires. Et il y a belle lurette que l'autorité fonctionnelle, qui est celle des chefs d'établissement, ont mis en place dans leurs établissements les 1607 heures en faisant fi des 25 jours de congé. Puisque l'organisation, elle repose simplement sur l'assurance auprès de l'État. Et d'ailleurs, il y a eu un certain nombre de débats dans certaines collectivités. On a vu Madame Hidalgo qui a essayé de faire un certain nombre de choses avant les élections, etc. Ou d'autres villes, d'ailleurs. Montreuil, d'autres villes du département, du 94, qui ont essayé aussi. Bref, on s'est fait retoquer. J'ai cédé à la pression d'État pour ne pas que demain la pénalité qui nous était proposée en cas de manquement soit importante. On n'a pas les moyens. Aujourd'hui, si on augmente de 4% la cantine, ce n'est pas pour
s'autoriser, enfin l'imaginer parce que c'est pas voté, c'est pas pour s'autoriser demain, histoire de faire un coup, de lutter bêtement. Donc je resoumets et nous resoumettons cette délibération. Il reste derrière, malgré tout, à régler quelques petites questions quand même sur l'organisation du travail, puisque il y avait un certain nombre de règles dans les collectivités qui fixaient l'utilisation des RTT. Nous avions pris, et en tous les cas, j'avais souhaité que ces 30 jours soient vraiment 30 jours de CA, et non pas 25 jours plus 5. Donc ça veut dire qu'il va y avoir dorénavant, avec et à partir de très vite, des discussions sur la mise en place d'un règlement intérieur qui doit de toute façon être revu, et ça faisait partie des objectifs. Et mon petit doigt me dit, qui est derrière moi, que c'est bientôt très prévu dans les futures semaines, et que le CHS et du coup le conseil municipal auront aussi à se prononcer sur des modifications éventuelles. En tous les cas, je resoumets et nous resoumettons à votre sagacité le vote des 1607 heures avec les 25 jours de congé comme la loi le précise. Il faut tout de même savoir, toute chose égale par ailleurs, que le CIETREM, syndicat dont nous faisons partie, qui a majoritairement sa place dans le 77, a voté la même délibération avec les 30 jours sans qu'il se soit fait pour l'instant retoquer. Mais c'est le 77. La France étant une et indivisible et un état de droit, il y a quand même quelques petites choses comme ça. On sait que dans le 94, ça a été aussi assez rude. Dans le 93, je crois que tout le monde avait accepté, finalement, au bout du compte, de signer les 1607 heures. Point sur lequel je ne reviens pas. Je n'ai jamais eu de difficulté à la mise en place des 1607 heures. Et d'ailleurs, je dois avouer que ça n'a jamais été un sujet de friction et de tension avec les agents à l'interne dans les différents échanges que nous avons pu mener avec eux jusqu'au vote en CHSCT. Il y avait 1557 heures, je crois, avant que nous lancions les discussions sur les 1607 heures. Je rappelle que le principe, c'était d'éliminer et de supprimer tout ce qui ne faisait pas partie des congés légaux. Il faut savoir que nos agents, même si pour certains ça a été compliqué, la seule chose qu'ils avaient en tête, c'est qu'on leur permette finalement, même en travaillant plus, donc de rattraper bien sûr le différentiel, 1550 et des poussières à 1607, mais de garder une semaine de congé. Donc il n'y a pas eu d'opposition, hein. C'est pas travailler plus pour gagner plus, c'était simplement accepter l'idée de travailler plus pour le coup, mais avoir des CA en plus. Voilà. Donc il n'y a vraiment eu aucune difficulté avec les agents. Ils ont voté en CT à l'unanimité la proposition que nous vous soumettons. Mais voilà, si ça repasse, c'est uniquement de mon fait. Et y a-t-il des commentaires, des questions sur ce point-là? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vote à l'unanimité. Merci. C'est toujours Madame Poncelin qui va nous présenter le tableau des créations et suppressions de postes. Tableau peut-être pas, mais en tous les cas, un petit sujet sur des nouveautés et des suppressions. Merci. D'accord. Bon, toujours afin d'assurer un bon fonctionnement des services de notre collectivité, il convient de procéder à des suppressions et créations de postes. Les suppressions de deux postes, un poste de directeur général des services à temps complet dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, puisque aucun fonctionnaire n'a répondu au profil du poste. Et puis, il faut supprimer un poste de traversière des écoles et de surveillance des cantines à temps non complet d'une quotité horaire de 11h37 hebdomadaire dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux. D'autre part, nous voudrions procéder à la création de trois postes. Un poste de directeur du pôle Affaires générales, Action sociale, Relations publiques et événementielles dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux. Un poste de traversière des écoles et de surveillance des cantines à temps non complet d'une quotité horaire de 12 heures hebdomadaires dans le cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux. Ça, c'est le poste qui vient remplacer celui qu'on vient de supprimer précédemment.
puisque la personne qui accompagne, qui fait la traversière, va désormais accompagner les enfants entre la cantine et le centre de loisirs. Et puis un poste de responsable de l'école de musique suite à la municipalisation de celle-ci dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux. Il est demandé au conseil municipal d'approuver cette délibération. Des questions, mesdames, messieurs ? Pas de questions. On va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? 1, 2, 3, 4, 5, ce qui fait 6 abstentions pour le groupe Gournay, ma priorité. Délibération numéro 10, élection professionnelle du 8 décembre 2022, fixation du nombre de représentants de la collectivité et du personnel au Conseil social territorial. Agnès. Alors, la loi du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique impose une fusion entre le CT, le comité technique, et le CHSCT, comité d'hygiène, sécurité, conditions de travail, pour devenir le CST, le Conseil social territorial. Cette loi impose également de fixer le nombre de représentants au sein de cette nouvelle instance au regard de l'effectif global de la collectivité. Après échange avec les représentants du personnel et en concertation avec eux, ce nombre a été fixé à 3 agents titulaires et 3 agents suppléants. Les missions du CST sont identiques à celles du comité technique. Cependant, Monsieur le maire souhaitant maintenir un volet prévention au sein de la collectivité, les agents élus au CST recevront une formation autour de l'hygiène, la prévention, la sécurité au travail dispensée par le CNFPT et se réuniront dans les mêmes conditions que le CHSCT actuel sous une casquette formation spécialisée. Voilà, les représentants auront donc 2 casquettes, celle du CST et celle d'une formation spécialisée. Y a-t-il nécessité de préciser ou de répondre à des questions ? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Point numéro 11. Il s'agit du rapport dans le cadre du débat du Conseil municipal sur la protection sociale complémentaire. C'est toujours Madame Poncelin qui nous présente cette délibération. Alors. Toujours dans le cadre de la loi du 6 août 2019 sur la transformation de la fonction publique, elle engage une réforme sur la protection sociale complémentaire des agents. L'ordonnance du 17 février 2021 définit l'obligation d'une participation des employeurs à cette protection, à hauteur de 20% pour les contrats de prévoyance, qui est la garantie de salaire, sans être inférieure à 7 euros par mois, et ce, à partir du 1er janvier 2025. Et à hauteur de 50% pour les contrats de santé, donc la mutuelle, sans être inférieur à 15 euros par mois, et ce, à partir du 1er janvier 2026. Notre collectivité, donc adhérente au CIG, mandatera celui-ci afin de négocier les tarifs les plus intéressants au regard des garanties et des coûts. Le débat autour de l'accompagnement de la collectivité à la protection sociale complémentaire se fera en concertation avec les représentants du personnel et l'autorité territoriale, et portera sur le mode de contrat individuel ou contrat de groupe afin de trouver un équilibre entre les garanties, le coût et le montant de la participation. Ce point a déjà été présenté au comité technique afin d'amorcer une réflexion collective. Voilà. Alors à ce jour, la ville de Gournay propose déjà une participation de 10 euros sur chacun des deux contrats prévoyance et complémentaire santé aux agents sans avoir aucune obligation d'y adhérer. Des questions ? Pas de questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci. Délibération numéro 12. Il s'agit de l'approbation de la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial entre les Voies navigables de France, VNF, et la ville de Gournay-sur-Marne pour l'occupation du ponton d'amarrage qui est situé juste en bas de la mairie. C'est M. François Der qui nous présente cette délibération. Donc, comme vous le savez, la ville organise des navigations sur la Marne en partenariat avec l'association Au fil de l'eau, généralement sur les périodes de juin à septembre. Dans ce cadre-là, nous utilisons un ponton qui appartient au VNF. Il est donc nécessaire, dans ce cadre-là, d'établir une convention avec les VNF.
La convention est en annexe. Cette convention porte sur une durée de 5 ans avec une redevance annuelle de 403,50 €. Donc, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver cette convention et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. D'approuver, c'était simplement un rapport qui était fait et non pas, c'était juste d'acter le fait que la présentation avait été faite et qu'éventuellement il y avait eu débat. Pardonnez-moi. Bien, nous reprenons le fil de notre conseil municipal au fil de l'eau et nous en arrivons à l'approbation de la convention. Non, c'est toujours la même, celle-ci. C'est la 13. Autorisation d'accorder une subvention et de signer la convention de partenariat avec l'association au fil de l'eau. C'est la délibération numéro 13. Et la délibération numéro 13, c'est toujours normalement M. François Der qui nous la présente. Donc cette convention que l'on vous soumet comme tous les ans, qui permet de lier l'association au fil de l'eau et la ville... L'association au fil de l'eau, qui est reconnue d'éducation populaire, qui agit pour la préservation et la mise en valeur des cours d'eau, mais aussi sur un volet d'insertion professionnelle, avec des chantiers d'insertion professionnelle. Du coup, tous les ans, lorsqu'on propose des navigations sur la Marne, nous sommes obligés de signer cette convention pour établir les devoirs et les droits de chacun. La convention, vous la trouvez en annexe. Dans cette convention, bon, il y a les engagements de navigation, etc., d'entretien des bords de Marne, mais il y a aussi l'accord d'un octroi de subvention de 7 000 euros pour le bon fonctionnement de l'association au fil de l'eau. Au fil de l'eau qui... travaille depuis 2011 avec les communes de Gournay, Neuilly-sur-Marne et Noisy-le-Grand. Cette année, elle travaillera, puisque Neuilly-sur-Marne a jeté l'éponge, avec Neuilly-Plaisance, Noisy-le-Grand normalement, puisqu'on n'a pas eu encore de réponse écrite, je dirais, de la part de Noisy-le-Grand, mais ça ne serait tardé, et Gournay-sur-Marne. Il y a une communication dans le magazine qui a été boîtée ou qui va être boîtée dans vos boîtes aux lettres, sur l'ouverture de cette saison qui aura lieu le 18 juin et qui devrait se clôturer le dernier week-end de septembre, avec la première navigation du 18 juin qui sera gratuite, puisqu'elle fête l'anniversaire des 40 ans d'existence, je crois, de Fil de l'eau, avec des navigations qui auront lieu tous les week-ends jusqu'à fin septembre, et des navigations qui se feront normalement de Gournay jusqu'à Noisy, et d'autres navigations qui se feront de Noisy jusqu'à Neuilly-Plaisance. Voilà. Dans la convention, il n'y a rien de plus que ce que l'on y met d'habitude. Enfin, il n'y a pas de nouveauté. Voilà. Il y a une nouveauté. Pardon, il y a juste une précision. Excusez-moi. C'est que la navigation n'a pas eu lieu l'année dernière. Il y avait eu un octroi de subvention de 7 000 euros à l'association au fil de l'eau. En face de ça, il n'y a pas eu de service rendu. Vu l'état du ponton, qui n'est plus du tout, en termes de sécurité, acceptable, il y avait des travaux à faire sur ce ponton-là. Donc, ils vont être réalisés avec un coût qui sera pris, si vous en acceptez la convention, qui sera pris en charge pour une partie à hauteur de 7 000 euros par l'association au fil de l'eau, et une plus faible partie qui sera prise en charge par la ville, qui doit s'élever, je crois, à 2 500 euros TTC, quelque chose comme ça. Y a-t-il besoin de compléter ce qui vient d'être dit? S'il n'y a pas nécessité, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vote à l'unanimité. Merci. Point numéro 14, il s'agit de renouveler le projet éducatif PEDT 2022-2025
et de la convention relative à la mise en place d'un projet éducatif territorial et d'un plan mercredi qui l'encadre. C'est M. Culeux qui va se charger de nous présenter tout ça. Oui. En 2014, la commune de Gournay-sur-Marne a écrit son premier PEDT, projet éducatif du territoire, pour organiser la réforme des rythmes scolaires avec la mise en place de la semaine de 4 jours et demi et des TAPS. En 2017, après consultation des familles et des enseignants, nous sommes revenus à la semaine de 4 jours. Néanmoins, nous avons prologé notre PEDT de 2018 donc à 2021, plus une année de dérogation à cause de la pandémie. Il convient donc maintenant de continuer ou pas dans cette voie avec l'écriture d'une troisième mouture pour les années 2022 à 2025, comme nous y invitent les autorités, à savoir l'Éducation nationale et la préfecture, pour formaliser une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité. L'équipe municipale souhaite placer le jeune apprenti citoyen au centre d'une complémentarité éducative et favoriser l'accès et la diversité des savoirs et des aptitudes à acquérir de 0 à 25 ans, en ayant en ligne de mire l'épanouissement de sa personnalité et son apprentissage de la vie sociale. Nous souhaitons élargir nos actions aux jeunes adultes, comme nous venons de le faire lors des conseils municipaux précédents, avec le code de la route et le PSC1. Et nous sommes passés donc de 18 ans à 25 ans. Nous nous attachons donc à mettre en cohérence l'action de l'ensemble des coéducateurs que sont les parents, les enseignants, les animateurs, les ATSEM, les intervenants associatifs, les animateurs sociaux et les intervenants de la petite enfance. Pour ce faire, nous avons organisé 3 comités de pilotage qui ont réuni nos agents de l'enfance et de la petite enfance, les parents d'élèves de nos 2 associations, des associations de la ville parmi les plus importantes et qui avaient adhéré à notre projet TAPS de 2014, le théâtre, le foot, le judo. La liste n'est pas exhaustive. Les directeurs de nos 2 écoles, le principal du collège ainsi que l'inspectrice de circonscription. Ces moments de concertation et de coécriture ont été animés et très constructifs. Dans le document joint en annexe, vous avez pu lire la présentation de la ville, la géographie, la population, les équipements, la démarche du renouvellement déjà évoquée, les orientations du PEDT, le public visé, donc de 0 à 25 ans, les points d'appui et d'attention du territoire. Nous avons pu lister tout ce qui existe déjà et ce que nous pourrions améliorer. De ce constat ressortent donc 3 grandes orientations. Assurer une continuité et une complémentarité éducative en tenant compte des spécificités des différents publics du territoire. Favoriser l'épanouissement des jeunes gournaisiens en renforçant le plaisir d'apprendre, en stimulant la curiosité, pour accueillir des savoirs, conforter des acquis, valoriser les compétences. 3e orientation, contribuer à la formation de citoyens épanouis en favorisant l'autonomie, le libre arbitre et l'esprit critique. Des fiches actions complètent ce dispositif, à chacun de proposer. Pour le document présenté ce soir, nous en avons sélectionné 6 sur un total de 15. Les autres seront sur le site si le projet est voté. Première fiche action proposée par notre animatrice CMJ, le CMJ supporteur du don du sang, sensibiliser nos jeunes élus autour d'une cause nationale. La deuxième, proposée par l'équipe des Pâquerettes, réalisation collective d'une fresque murale dans le préau de l'école des Pâquerettes. Vous pourrez vous y attarder lors de l'inauguration de la piste cyclable le 11 juin. Troisième fiche, proposée par l'enseignante de la maîtrise de la langue française, un projet théâtre avec l'étude des fourberies de Scapin de Molière, suivi d'une représentation au Théâtre Saint-Georges à Paris. 4e
proposée par les directrices du château et des minimums, une visite des enfants des minimums au château pour découvrir les lieux, l'équipe d'enseignants et les ATSEM. La cinquième proposée par le service enfance-jeunesse, les sessions de formation au PSC1 proposées aux jeunes de 15 à 25 ans. La sixième proposée par notre association Foot. Et je laisse la parole à Madame Barbara Vajon qui a rédigé cette fiche pour nous la présenter. Bonsoir. Alors l'idée c'est de proposer aux jeunes gournaisiens qui ne seraient pas adhérents de notre association, enfin du club de foot, de pouvoir jouer avec leurs camarades parce qu'ils en ont fait la demande pendant des courtes périodes. Donc on envisage de faire ça soit le mercredi après-midi, soit au cours des week-ends. Pour qu'ils puissent effectivement et découvrir une activité et pouvoir être avec leurs camarades et éventuellement également sur des périodes où ils n'auront pas d'activité. Donc tous les enfants seraient concernés de 5 à 14 ans, l'école de foot se terminant à 14 ans, et donc ouvert aux gournaisiens non adhérents du club. Et du coup, il y a aussi une possibilité d'interagir avec d'autres associations, parce que les enfants sont également dans d'autres associations et veulent essayer les uns et les autres les activités voisines. Et donc, on solliciterait les autres associations, également les clubs de foot des villes voisines. Voilà. Merci. Vous avez donc un aperçu. Il y en a d'ores et déjà d'autres que nous mettrons sur le site après la signature de la convention. D'autres seront proposés pour alimenter ce PEDT. À l'avenir, nous réunirons de nouveaux comités de pilotage pour continuer d'alimenter ce PEDT et le faire évoluer dans la concertation. Avant de conclure, je voudrais remercier tous les acteurs de ce projet que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir. Les services menés de main de maître par notre nouveau directeur de pôle, service à la population, les parents d'élèves, naturellement, qui ont été force de proposition, l'éducation nationale, avec la présence de nos directeurs et de l'inspectrice de circonscription, et pour finir, les associations qui ont été force de proposition, comme vient de le montrer Madame Barbara Vajon. Merci beaucoup. Pour l'heure, il est demandé au Conseil municipal d'approuver le renouvellement de ce PEDT pour la période 22-25, d'autoriser M. le maire à signer la convention relative à la mise en place de ce PEDT en partenariat avec la préfecture, les services de l'éducation nationale et la CAF. Merci François. Y a-t-il nécessité de questionner plus avant ? S'il n'y a pas nécessité d'aller plus loin, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Les abstentions, vote à l'unanimité. Merci. Point numéro 15. Il s'agit cette fois-ci de revaloriser les tarifs périscolaires et extrascolaires au 1er septembre 2022. Et c'est toujours M. François Culeux qui nous présente cette délibération. Oui, nous n'avons pas eu d'augmentation depuis 2019. Mais vous le savez, tout augmente, les fluides en particulier. Si les tarifs sont contenus avec la SOGRS pour le moment, qui nous fournit les denrées brutes, cette variable n'est qu'une simple, une faible partie du prix demandé. Tout le reste augmente, l'électricité, l'eau, tout. Le chauffage, tout. Et il n'y a pas eu d'augmentation de nos tarifs, donc comme je vous le disais au début, depuis 2019. Si nous avions augmenté et de 2% par an, comme nous le faisons d'habitude, nous en serions donc à 4 augmentations successives, donc à plus de 8%. Donc nous vous proposons de revaloriser nos tarifs de 4% seulement, en sachant que l'inflation est estimée en ce moment à 5%. Il est donc proposé au Conseil municipal de revaloriser à hauteur de 4% les anciens tarifs
relatif aux activités périscolaires et extrascolaires à compter du 1er septembre 2022, selon le tableau qui est joint. Il est demandé au Conseil municipal d'adopter ces nouveaux tarifs. Des remarques, des questions, des commentaires ? Monsieur Dacuna, puis Monsieur Serreo. Donc, au sujet de cette délibération, nous avions un point à vous soumettre peut-être au niveau de progressivité, enfin d'augmentation pardon, des tarifs. On a vu tout à l'heure, et c'est un peu le point qu'on a abordé, que le contexte aujourd'hui est compliqué. Vous l'avez tout à fait bien souligné également là sur la présentation, à savoir on souffre tous d'une augmentation de l'inflation. Et du coup, on aimerait vous soumettre l'idée qui est la suivante, c'est-à-dire pour faciliter, ou en tout cas limiter l'impact de cette augmentation pour les foyers les moins favorisés, peut-être ne procéder à cette augmentation de 4% qu'à partir du coefficient 7, par exemple. Et donc laisser en l'état les coefficients inférieurs, puisque on reste quand même dans une période assez difficile, et même si les estimations semblent dire qu'on pourra en sortir d'ici un an et demi, en tout cas, là, on reste sur quelque chose d'assez délicat pour tout le monde. Donc voilà, c'était la proposition de notre groupe, c'était peut-être de rester sur ces tarifs jusqu'au coefficient 6 et puis au-delà de passer à l'augmentation de 4%. Monsieur Serreo, je vous prie. Je vous remercie. On a une position un peu plus tranchée que celle que vous présente Monsieur Dacuna, finalement. Parfois peut-être étonnant, mais ça a fait l'objet de discussions au sein de notre groupe. Pas toujours simple d'en convenir, mais effectivement, on part du même constat qui a pu être fait, qu'aujourd'hui, on traverse une crise financière, entre guillemets, pour les ménages, pour beaucoup de Français. Augmentation du prix de l'essence, du prix de l'électricité, vous l'avez dit, du gaz, et inflation tout court, comme l'a dit M. Culeux, de 5%. De plus en plus de Français ont du mal à boucler les fins de mois. On l'a entendu à longueur de JT, et c'est la réalité. Et on s'étonne de cette revalorisation, alors que ça allait dans le bon sens avec le Covid, effectivement. Vous ne l'aviez pas augmenté depuis un certain nombre d'années. En fait, en plein moment de crise, où déjà, en fait, les Français subissent de plein fouet tout un tas d'augmentations. D'autant plus que finalement, 4%, on s'interroge sur la somme. On a fait un petit calcul rapide, qui ne sera certainement pas le bon, mais on n'a pas le niveau de finesse d'analyse des recettes que vous avez sur les cantines, mais on a à peu près estimé que les recettes, on ne parle pas des dépenses, mais on parle réellement des recettes, ils devaient être dans l'ordre de 400 000 euros, à peu près sur la cantine pour une année, et que donc 4%, bon, normalement, ça allait chercher dans les 18 000, 19 000 euros supplémentaires de recettes pour la ville. Quand en plus on regarde ça, comme on l'a vu dans la décision modificative du budget, on a collecté sur les impôts des Gournaisiens 172 000 euros de plus avec la taxe d'habitation. Donc finalement, de l'argent supplémentaire qui a été taxé via les mécanismes fiscaux aux Gournaisiens. Et aujourd'hui, on propose en plus d'aller rechercher 18 000 euros dans une période de crise. On ne sera certainement pas d'accord. Effectivement, les budgets des collectivités, ils sont peut-être restreints. En tout cas, on estime que c'est peut-être pas sur ça, en tout cas dans cette période, qu'il fallait taper. Et donc, notre groupe votera, comme vous l'avez compris, contre cette proposition d'augmentation. Je dois vous avouer que ça a fait débat chez nous aussi. Comme vous, on prépare nos conseils. Et pour, comme vous avez été aux affaires, vous savez très bien qu'on présente en règle générale des délibérations pour qu'elles soient approuvées et que le but du jeu, qu'on en soit conscient ou pas, c'est qu'elles soient approuvées le plus largement possible. Et bien évidemment, quand je dis le plus largement possible, c'est par l'opposition ou les oppositions. Et que nous soyons d'accord sur un maximum de points, même si, a priori, comme ça, on ne fait pas partie des mêmes équipes, mais on est autour de la même table. Chez nous, ça a été un questionnement aussi, pour les raisons que vous venez d'évoquer. Elles sont sensées, réelles, enfin, en tous les cas, on se pose les mêmes. La difficulté est réelle pour un certain nombre d'entre nous. Quoi qu'il en soit, la question des budgets des collectivités aujourd'hui est un vrai problème. Je crois qu'on n'est pas arrivé dans les affaires municipales à la bonne époque.
Je crois que la belle époque est loin derrière nous et qu'on est, en tous les cas, c'est notre sentiment. On est obligé d'en passer par là. C'est pas de gaieté de cœur et vous le savez, dans l'équipe, les sensibilités politiques sont vraiment diverses. Qu'on l'en soit persuadé ou pas, c'est la réalité. Et ça a été un sujet d'échange aussi pour nous. Néanmoins, il y a un constat de réalité auquel on est obligé de se confronter comme les autres. C'est pourquoi nous proposons aujourd'hui cette augmentation de 4% des différents tarifs de la ville. J'entends vraiment très très bien ce que vous me dites. J'entends la proposition de M. Dacuna qui n'est pas... pas déconnante du tout. Voilà, on n'en est pas là. Je peux même m'en excuser d'être amené à augmenter les dépenses. Les rentrées de recettes, elles sont aujourd'hui, c'est vrai, vraiment bienvenues. On n'a pas augmenté les impôts, ça rentre parce qu'il y a des constructions supplémentaires où il y en a eu, il y a des recettes supplémentaires, mais bon. Voilà. En tous les cas, nous maintenons notre proposition d'augmentation de 4%. Vous avez exprimé vos réserves sur le fond. Voilà, il y a des choses qu'on peut partager. Monsieur Serrero. Juste, monsieur le maire, 4%, du coup, vous pouvez nous donner le montant de recettes supplémentaires. Tu avais fait le calcul l'autre fois. Non, c'est pas moi, c'est François qui l'avait fait. En fait, non, c'est... Tu l'avais fait, François, le calcul. S'il a été donné... Alors, au niveau de la cantine, ça ferait 13 800 euros. Les études, 1 000 euros. Et le CDL, 7 200 euros. Donc, on n'est pas loin de vos 19 000. Sur l'ensemble des, enfin, des différents secteurs. Merci. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? 6 plus 1 pour M. Perron. 5 plus 1, pardon. Attendez, 1, 2, 3, c'est ça. Et M. Dacuna. Ce qui fait un total de 7 votes contre. Délibération numéro 16, l'attribution d'une subvention à M. Éric Roseau. C'est M. François Der qui nous la présente. Donc la ville souhaite répondre à la demande d'Éric Roseau qui a fait une demande de soutien financier par rapport à une épreuve qu'il va disputer au championnat du monde master catégorie plus de 35 ans à Tampere en Finlande du 29 juin au 3 juillet. C'est un sportif assez connu sur la ville, enfin je... La table, on le connaît. Il a récolté depuis plus de 11 ans plus de 7 médailles dans des championnats du monde, des championnats d'Europe, Jeux Olympiques, catégorie master. Il a 4 titres de champion de France, etc. On l'a déjà soutenu lors d'épreuves à Izmir en 2014, où il avait remporté un titre de vice-champion d'Europe. Là, l'idée, c'est de le soutenir dans la compétition internationale Europe Master Athletics et World Master Athletics, qui dépendent pas de la Fédération française d'athlétisme, et du coup, les compétiteurs doivent financer par eux-mêmes leur participation. On propose une aide de 250 euros qui permettrait de couvrir ces dépenses relatives à la location d'un véhicule. Son budget estimé, il est de 1 800 euros, hein, enfin 1794,31, qui contient le vol aller-retour, l'hébergement et la location de ce véhicule, justement. Donc, y a-t-il des remarques sur cette attribution de subvention ? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Y a-t-il vote contre ? Les abstentions ? Vote à l'unanimité. Merci pour lui. Tout le monde, normalement, le connaît. Hein, c'est souvent un de ceux... qui ouvre le parcours des 10 km de Gournay-sur-Marne. Enfin, il y fait tout, hein. Il est sur un vélo. Alors lui, je ne sais pas s'il a le vélo électrique, mais en forme comme il est, je pense qu'il n'a pas besoin. S'il a un vélo électrique, la côte peut-être. Mais en tous les cas, il était souvent, il y avait souvent Ingrid et Eric devant. Et voilà. Donc, si,
Enfin, si ça peut vous aider, Eric, c'est lui. Voilà. Bien, l'ordre du jour est épuisé. On va traiter les questions diverses qui sont des questions proposées par l'équipe de Nicolas Serrero. Et nous vous ferons une petite présentation, et Madame Schlegel le fera, une petite présentation de la maison de santé. Et on vous fera un petit point d'ailleurs sur la maison de santé, si tout va bien au niveau des docs. Derrière, si jamais ça passait pas, on le fera à l'occasion du prochain conseil municipal. Voilà, normalement c'était prévu, mais voilà, dans les prévisions, il y a parfois des choses qui passent un peu de côté à la trappe. Voilà, il y a des semaines particulières. Bien. Alors, première question. Vous avez pu constater ces dernières années, comme tous les Gourdaisiens, l'appauvrissement en termes de diversité de l'offre commerciale du centre-ville. 5 coiffeurs et un barber truck, 4 commerces de restauration rapide, dont 3 l'un à côté de l'autre, 3 agences immobilières, 3 établissements financiers, 2 épiceries dans le périmètre du Carrefour City et plusieurs locaux vides. La dégradation de l'offre commerciale locale s'est même accentuée avec l'évolution de la halle de Gournay, puisque bon nombre de commerçants, dont des commerçants historiques, sont partis au cours de ces derniers mois et n'ont pas été remplacés. Le manque d'attractivité commerciale du centre-ville risque d'entraîner une perte de clientèle pour nos commerçants. Pourtant, vous disposez du droit de mettre en place un périmètre de sauvegarde du commerce de proximité permettant un droit de préemption lorsqu'un bien commercial est mis en vente. Envisagez-vous d'exercer ce droit de préemption ? Entendez-vous adopter une véritable politique municipale pour tenter de sauvegarder et pérenniser le commerce de proximité de notre centre-ville ? Qui commence à répondre ? Allez, Claude. Alors, le commerce de centre-ville, le droit de préemption. Le droit de préemption est un droit qui est disponible pour les collectivités, et Delphine va pouvoir l'expliquer bien plus que moi. Oui, réponds juste sur sujets sur lesquels tu peux répondre. Sur le commerce. En 2014, il y avait 5 commerces disponibles à la location ou à la vente. Aujourd'hui, il y en a 2. 2 seuls qui sont ni à la vente parce qu'il y a des problèmes de succession, le SPAR, par exemple. Ou aussi, le SPAR est particulier, un problème de succession, et en plus une dalle qui s'est affaissée au milieu, donc ni vendable, ni louable. Et l'autre disponibilité, c'est l'ancien local d'auto-école, où il y a un problème de succession, là encore, puisque c'est détenu par 2 sœurs qui ne s'entendent pas, dont une est en Hollande. Donc toute la ville, aujourd'hui, achalandés suffisamment correctement à notre goût, et on les rencontre très régulièrement au niveau des locations disponibles. Il y a très peu de ventes actuellement. Les agences immobilières que j'ai rencontrées cette semaine ont démontré qu'aujourd'hui il pouvait y avoir des recherches de locations. Il n'y a rien de disponible, mais il n'y a aucune vente aujourd'hui qui est à la disposition des acheteurs et des commerçants qui pourraient s'installer sur la ville. Donc il y a le Brazza qui a vendu, en tous les cas, qui est déjà vendu, qui est racheté par une brasserie, type brasserie parisienne de qualité. En tous les cas, c'est toujours comme ça que c'est vendu. Après, il faut voir sur place. Il y aurait également l'installation d'un dentiste sur un local qui vient d'être acquis, je crois. Cap-Fi. Il y a en perspective l'installation d'un centre de radiologie, si tout va bien, sur une surface qui doit être une surface de 120 mètres. Pierre n'est pas là ce soir, mais il pourra vous en parler si tout se passe normalement à l'occasion du prochain conseil municipal, sur un local qui est un ancien lieu de restauration. Ensuite, sur les sites que tu as indiqués, sur l'ancien SPAR, tout n'est pas irréalisable, mais les frais de réparation qui sont aujourd'hui prévus pour que ça puisse
être faits sont très élevés. Sur le marché, nous savions, parce que c'était d'ailleurs un sujet de non-accord, qu'il y avait potentiellement un risque pour que ça ne fonctionne pas bien. Je vous le dis et je continue de penser que ce n'est pas vraiment un problème pour nous d'imaginer que si un jour ça dysfonctionnait, nous soyons amenés à repasser sur un marché de bord de Marne en y remettant un certain nombre de commerçants. Je pense que Géraud a été, en a voulu trop. Même si ça ne s'est jamais traduit par un droit d'entrée, le commerçant qui s'installe dans la halle de Gournay, il s'installe en ayant un commerce comme si il était dans une boutique. Oui. C'est un pas de porte et il y a un coût. Il est à noter aussi, mais vous l'avez certainement constaté pour celles et ceux qui fréquentent le marché, que lorsque vous avez un commerçant qui est installé à la fois chez nous, et alors c'était déjà vrai avant, à la fois chez nous, et alors on peut le retrouver le même à Noisy un autre jour dans la semaine, c'est quand même, ou à Shell, pour le coup, étrangement, il est toujours moins cher à Shell ou à Noisy que chez nous. Ceci dit, c'est comme ça, c'est vrai que le coût pour le commerçant dans la halle, il est élevé. Moi, je fréquente, comme certains d'entre vous, j'ai mes habitudes à Gournay et on se croise parfois à la boucherie ou chez Mousse. Ces commerçants, en tous les cas, travaillent très bien. Je sais que Claude rencontre régulièrement les autres commerçants ou moi, personnellement, je n'ai pas d'habitude. Les commerces de bouche fonctionnent plutôt bien. J'avoue que je ne vais pas chez le coiffeur, donc je n'ai pas de retour. J'ai pas ce type de retour, mais je sais que toi, tu y vas régulièrement, non pas chez le coiffeur, mais chez les commerçants. La situation, même si on peut déplorer, et nous avions d'ailleurs fait ces mêmes remarques il y a quelques années sur le fait qu'il y avait des agences bancaires, le fait qu'il y avait des agences immobilières, le fait qu'il y avait, etc. On peut le déplorer, mais en tous les cas, les commerçants qui sont installés pour l'instant ne mettent pas la clé sous la porte. Je ne parle pas des marchés. Sur la question du droit de préemption, Madame Schlegel. Alors, on ne s'était pas parlé avec Claude, mais on a exactement les mêmes chiffres. Alors, si on parle de dégradation ou d'évolution, enfin, je ne sais pas comment on peut le qualifier, on s'était pris un peu le bec sur le mot « diversifier le commerce » ou « élargir le commerce ». Même quand ce sont les mêmes commerces, je m'explique. À l'époque, donc en 2014, comme le disait Claude, on avait 5 locaux vacants. Aujourd'hui, on en a 2 en plein centre-ville. On avait 7 agences immobilières, on n'en a plus que 4. Et on avait 4 banques, et on en a 3 aujourd'hui. C'était bien connu à l'époque, hein, beaucoup de coiffeurs, beaucoup de banques et beaucoup d'agences immobilières. Alors aujourd'hui, il y en a encore beaucoup. Il y en a un peu moins, mais il y en a encore. C'est vrai que c'est la restauration rapide qui s'est installée à la place de la caisse d'épargne, puisqu'il y avait une caisse d'épargne qui n'est plus là, c'est l'agence bancaire qui a disparu depuis, et c'est le Tacos qui a pris la suite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde trouve sa place, et les commerces à Gournay, alors certains en tout cas, sont très très anciens. Très anciens. La boucherie a toujours été là, les maraîchers sont toujours les mêmes. Alors, c'était pas le même propriétaire. Mais la boucherie a toujours été là, les maraîchers sont toujours les mêmes. Et il y a quand même eu depuis l'apparition du Carrefour City, qui pourtant est une épicerie entre guillemets de plus, mais qui pourtant trouve largement sa place. On fréquente autant les maraîchers aujourd'hui qu'hier, et pourtant on va aussi parfois au Carrefour City pour se dépanner et compagnie. Le centre-ville est quand même assez vivant à Gournay-sur-Marne. Alors, quant à la protection des commerces, il y a 2 choses. Il y a eu une délibération en 2010 qui a instauré ce dont vous parlez, c'est-à-dire le droit de préemption sur les fonds de commerce, fonds artisanaux et baux commerciaux. Donc elle existe depuis 2010, c'était M. Attal qui l'avait mis en place. À l'époque, la législation ne permettait pas de faire la protection donc, des commerces sur 100% des commerces de la ville. Donc je crois, dans mon souvenir, il faudrait que je recherche plus amont, mais qu'on s'était arrêté à 70% des commerces. Donc cette protection et ce droit de préemption existent. Et il y a une deuxième chose, c'est que lorsque l'on a voté le PLU en 2016, dans ce PLU,
vous pouvez le voir sur le site de la ville, il y a une protection des linéaires commerciaux. Donc les linéaires commerciaux qui ont été retenus, hein, c'est tout le centre-ville, que ça soit Joffre, Allée, Contre-Allée et du côté Cloarte-Bise, la place Roosevelt, le bas de la rue du Puy-Perdu, avec la petite place, la pharmacie, etc. Donc la protection des linéaires commerciaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les rez-de-chaussée des bâtiments de ces rues-là resteront des commerces. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de changement de destination, ni d'habitation, ou autre que du commerce de proximité. Donc cette protection existe aussi au PLU. Voilà ce que je peux vous dire. Sur votre deuxième question, une procédure d'adoption du PLU est en cours. Elle prévoit l'organisation de réunions régulières dans chacune des communes du territoire. Pour Gournay-sur-Marne, la première a été organisée en visioconférence alors que plusieurs communes avoisinantes privilégiaient le présentiel pour pouvoir échanger avec les habitants. Il y a quelques semaines, une deuxième réunion a été organisée dans toutes les communes du territoire, sauf à Gournay-sur-Marne. Celle annoncée initialement a été annulée. Très honnêtement, M. Serrero, je vous pose cette question pour plusieurs raisons. Nous vous l'avions annoncé lorsque les consultations sur les PLU ont été faites sur la ville. Elles ont été faites tardivement, elles ont eu lieu au mois de décembre. Certains d'entre vous y ont participé, que ce soit des membres de notre équipe ou de la vôtre. Nous avions indiqué, et c'est malheureusement la triste réalité, que les services du PLU du territoire étaient bien longs, en tous les cas, et qu'il y avait un certain nombre d'étapes obligatoires avant que nous puissions, nous, travailler sur le PLU. Dans le même temps, il y avait eu cette première réunion de PLUI que nous avions effectivement réalisée en distanciel. À l'époque, ça me semblait justifié. D'autres l'ont fait en distanciel, certains l'ont fait en présentiel à ce moment-là. En tous les cas, j'avais indiqué, à l'occasion de cette première réunion publique, qu'il n'y avait pas de problème de calendrier. Que le PLUI était lancé parce que c'était une démarche obligatoire imposée par les services de l'État, que nous étions, nous, dans une modification du PLU, mais que de toute façon, à aucun moment, il y aurait friction et que les calendriers allaient être réalisés, étaient posés de telle manière qu'il n'y ait pas d'interférence. En partant d'un principe simple, qui est toujours soutenu et qui est maintenu, c'est celui des récollements des différents PLU pour la réalisation de ce PLUI. L'ensemble des différents règlements, que ce soit le PLU qui devra être en accord avec le PLUI qui sera en accord avec le SCOT qui sera lui-même en accord avec le SDRIF, tout ça doit être cohérent sur l'ensemble. Ce qui ne l'est pas en ce moment, et c'est pourquoi je refuse, et c'est un refus de ma part, de tenir une réunion publique sur le PLUI, pour la simple et bonne raison que, pour l'instant, les Gournaisiens n'ont même pas connaissance des modifications du PLU que nous avons réfléchi et travaillé ensemble et que nous avons transmis aux services de l'EPT, qui ont été transmis manifestement encore tardivement avec des anomalies qu'on a été obligé de recorriger pour que ça corresponde à ce que nous avions fait au mois de décembre. Enfin bref, je n'ai pas accepté et je continuerai de ne pas accepter cette réunion du PLUI tant que nous n'aurons pas démarré l'enquête publique, tant que nous n'aurons pas constaté que les modifications que nous avons souhaité apporter à notre PLU sont réellement validées et sur le PLU. Il y a eu un sujet, l'URBA, c'est un sujet sensible. On est tous bien placés autour de la table pour le savoir, et moi le premier. On s'est dit et on a écrit et on a lu un certain nombre de choses sur ces questions-là. Ce qui doit nous occuper, c'est la préservation de notre environnement. Le travail qui a été mené de manière collective sur la question du PLU,
qui est en cours de modification, dont on attend le démarrage de l'enquête publique, doit être intégré de cette manière-là au sein du PLUI, de manière à ce que, comme nous l'avons toujours entendu et de ce que nous défendons, à savoir les récollements, ça corresponde réellement à notre situation. Or, tant que je ne verrai pas le PLUI, les PLU, tel que nous l'avons travaillé, tel que nous l'avons réfléchi, tel que vous l'avez modifié, je vous rappelle que je n'ai pas participé à vos travaux. Je les prends en l'état puisque c'est un travail collectif et je crois que ça va dans le bon sens. L'idée étant de rendre dans la zone non inondable, la construction plus compliquée, de telle manière qu'on ne se retrouve pas dans, avec deux parties dans la ville, une zone inondable où il n'y aurait plus de construction de collectif, mais une zone inondable dans laquelle nous pourrions, à dessein, diviser nos terrains pour finalement réussir à augmenter la construction. Nous avons augmenté d'ailleurs dans le PLU aussi le pourcentage de pleine terre pour être sûr de garantir un certain nombre de choses. Donc l'idée, c'est de faire que la zone non inondable ne devienne pas, comme ça a pu être fait un peu déjà dès maintenant, avec la tentation que peuvent avoir certains de nos administrés de vendre à un promoteur qui va faire une proposition attractive de rachat de terrain. Et c'est humain, quand on a un bien, de vouloir bien le vendre. C'est fait partie du système dans lequel nous évoluons. C'est de se garantir un minimum de protection. Vu le temps, la modification de PLU, elle a été lancée en octobre 2020. On est pour l'instant en juin 2022. On m'avait garanti, alors la première je l'avais refusée, je ne refuse pas la réunion publique, hein. Vous l'entendez bien, mon sujet ce n'est pas celui-là, ce n'est pas de dire je ne veux pas de réunion publique, c'est dire je ne veux pas de réunion publique tant que le PLU n'aura pas été soumis à la sagacité des Gournaisiens. C'est ce qui m'oppose au territoire actuellement sur cette question-là. Je sais que ça revient régulièrement, hein, la question est posée par les services, par le directeur des général des services, par le président parfois. Voilà ma position. Voilà pourquoi je n'ai pas validé pour l'instant la tenue d'une réunion publique sur la ville. Si le territoire veut tenir à tout craint une réunion publique sur le PLU de Gournay, il la tiendra, mais ailleurs et sans moi. Pour ma part, si je dois participer à une réunion publique sur le PLUI, je l'accepte volontiers, je n'ai pas de difficulté avec ça. Je veux simplement que l'enquête publique sur le PLU, elle soit visible. Elle est consultable en mairie. Et là, il pourra y avoir, à l'occasion de cette réunion sur le PLUI, peut-être un échange un peu plus concret avec les services des spécialistes du PLU du territoire et nous-mêmes. Plus que sur un problème, enfin une question philosophique et éthique sur ce que ça doit être. Il y aura la réalité parce que nous aurons un PLU qui sera visible et dont on pourra discuter les points dans le cadre du PLUI. Est-ce que, par exemple, ce que nous avons décidé sur le fait qu'il y ait au-delà de 3 logements, obligation de logement social ? 4 ? 3 ou 4, je ne sais plus où vous... Je sais plus où, non, aujourd'hui, c'est 30% oui. de 10 ou 12. Les règles importantes qui ont été modifiées, donc tu le disais, c'était le pourcentage de pleine terre, c'était l'accolement en limite séparative. Ici, la hauteur, c'était, parfois. C'était la hauteur sur certains secteurs. C'était donc les 30% de logements sociaux à partir de 4 logements. C'était tout ce qui permettait en fait de limiter... Comme tu le disais tout à l'heure, la division parcellaire, l'imperméabilisation des sols, et tutti quanti. Et surtout, on part de la zone inondable, mais surtout dans la zone non inondable. Oui, c'est pas ça. Justement qui est, mais dans la zone, comme on disait, de quartier dans qui la zone s'oppose non inondable, dans la ville. Enfin voilà, ce que je voulais, et vraiment Nicolas, je vous remercie de m'avoir posé la question, pour qu'il n'y ait pas de confusion sur cette histoire-là, je ne refuse pas l'idée... vraiment d'une réunion publique sur le PLUI, enfin, qui je serais pour ça, enfin, l'URBA, si on vit à Gournay-sur-Marne, et si on est venu vivre ici, c'est pour une certaine idée de l'environnement choisi qui est le nôtre aujourd'hui, c'est de le défendre, mais je ne veux pas me retrouver vraiment prisonnier d'une réunion publique dans laquelle
ou au cours de laquelle vous pourriez me dire, et vous auriez raison, oui, mais monsieur le maire, on vous fait confiance sur quoi? Le PLU, on ne le voit pas. Vous avez demandé une modification, c'est bien gentil, mais on en est où? Et vous auriez raison. Donc, mon refus, il porte là-dessus. Une précision, vous pourriez constater dans les panneaux actuels de la ville un nouvel arrêté de PLU, puisque nous avions, alors c'était pas un vote, si je me souviens bien, c'était une présentation d'arrêté de PLU qu'on avait vu ensemble en 2020, qui avait un des points, c'était la modification de l'OAP, maison de retraite, sur l'avenue Léonardi. On a eu un son de cloche complètement différent depuis. C'est que dans la modification de PLU, on nous avait dit que vous ne pouvez pas la supprimer. Elle sera supprimée lors du PLUI. Le son de cloche différent qu'on a eu, c'est qu'on pouvait la supprimer dans le cadre de la modification. Donc du coup, on a fait le territoire a fait un nouvel arrêté pour le PLU où l'OAP est complètement supprimée. Voilà, pour que ça soit très clair. Au départ, c'était pas possible et en fait, ça l'est. Donc ça, on l'a changé et vous verrez sans doute dans les panneaux un nouvel arrêté pour le PLU. Je vous en prie. Si vous me permettez de rebondir, je vous remercie. En fait, l'objet de la question, il est celui-là. Aujourd'hui, on a du mal à s'expliquer ce dysfonctionnement du territoire. Vous avez dit qu'on a travaillé effectivement lors de réunions sur le PLU. Enfin, moi, je rappelle quand même, et je vous avais saisi à l'époque, vous et Mme Seychelles, que... pour les élus, et notamment nous qui sommes des élus d'opposition, on n'avait même pas eu accès aux documents. On n'avait même pas pu préparer ces réunions. J'avais saisi le territoire pour lequel j'avais adressé un mail à la fois au service et au maire qui est en charge de ces questions sur le territoire, sans aucune réponse. Aujourd'hui, en fait, le territoire fonctionne dans une forme d'opacité totale, alors que sur Gournay-sur-Marne, effectivement, le PLU, c'est peut-être l'enjeu. Tout le reste est gestion quotidienne presque. Mais aujourd'hui, on ne s'explique pas. La réunion du 1er juin, et je sais qu'on en a déjà discuté ensemble, mais je voulais que la question soit posée, elle a été annulée. On a vu apparaître une réunion le 16, qui a été affichée peut-être le soir, qui a disparu dès le lendemain matin. Et en fait, aujourd'hui, on a du mal à comprendre comment le territoire qui normalement est nos représentants, auquel vous siégez d'ailleurs, je dirais manque de respect à la commune de Gournay-sur-Marne, au point de ne pas fournir des éléments suffisants aux élus pour travailler correctement, même si on peut se dire que les réunions sur le PLU, elles se sont tenues dans de bonnes conditions. On s'est entendu sur un certain nombre de points, mais je considère encore aujourd'hui qu'elles ne se sont pas tenues dans les bonnes conditions, dans le sens où on n'a pas pu travailler, nous, en amont, des documents de possibilités de modification. Enfin, vous nous l'apprenez encore ce soir, ce qu'ils ont dit un jour n'est plus d'actualité aujourd'hui, par exemple, sur l'OAP. Je veux dire, ce n'est pas des conditions de travail que le territoire offre à ses élus. Je pense pour vous aussi, hein, d'ailleurs, comme vous l'avez exprimé. Et aujourd'hui, en fait, on est pris en étau sur un territoire qui, et j'avais essayé de l'alerter, et d'ailleurs pourquoi on a remis la question de la visio, sur un territoire qui, j'en suis convaincu, n'est pas tout à fait prêt ou honnête sur ce qu'il compte faire du PLUI. J'avais tenté de prendre la parole, elle m'avait été refusée à l'époque, on en avait d'ailleurs discuté, et on a toujours cette crainte aujourd'hui que le territoire, par ce récollement de PLU, permette des constructions sur des ZAC. Moi, je conserve cette marotte en tête, et je ne la lâcherai pas tant que j'en aurai pas réussi à en discuter, mais de pouvoir demain décider qu'il y ait une ZAC entre Noisy et Gournay, et que ce soit des règles qui ne soient pas les nôtres qui s'appliquent. Et aujourd'hui, en fait... Tout ce cheminement obscur, toutes ces annulations de réunions et tout, qui sont certainement pas de votre fait, en tout cas qu'on soutient. Elles sont de mon fait. Non, mais ouais. Je veux dire qu'on soutient dans vos motivations aujourd'hui de pas se faire avoir par un territoire qui veut pas donner. En fait, elle est inquiétante pour nous. Et c'était le sens aussi de notre question ce soir. Alors sur la date là, c'est pareil. Une date avait été prévue initialement. Je sais même plus si tu me l'as ôté sur mon agenda. Je m'en rappelle plus. Le 16. Initialement, il devait y avoir une réunion du PLUI parce qu'il y avait un engagement du territoire de faire en sorte que la réunion publique qui devait être lancée avait démarré. Et c'est la seule condition que je pose à la tenue de cette réunion PLUI publique. C'est de dire, la réunion, je ne la refuse pas en tant que telle, c'est de leur dire, la réunion du PLUI, on la fixera ensemble, ou alors sans moi, mais ailleurs, mais ensemble sur ma ville, à la seule et unique condition, c'est que l'enquête publique ait démarré. C'est la seule condition que je fixe
à ça. C'est pourquoi vous voyez d'ailleurs, je sais que Mme Escolano avait mis, enfin, nous on n'avait pas communiqué sur cette réunion parce qu'elle n'avait pas lieu d'être. Je sais qu'il y avait cette réunion qui avait été indiquée sur un site. On disait, oui, mais la mairie n'a pas communiqué. Ben non, on n'a pas communiqué parce que la réunion, elle ne se tiendrait pas. Et elle ne se tiendra pas. Et bien évidemment qu'elle apparaîtra sur notre site et que l'information sera délivrée correctement et le plus largement possible quand j'aurai accepté l'idée qu'elle se tienne. Mais aujourd'hui, dans les conditions actuelles, c'est hors de question. C'est hors de question. C'est pas possible. Il y a trop d'enjeux pour nous. Pour qu'on puisse... Je partage pas votre crainte, mais par contre, je partage avec vous la notion d'enjeu fort qui pèse sur ces questions-là. Et voilà. Je sais qu'ils ont mis l'autre fois un peu de temps là. Ça a été réinscrit d'ailleurs. Ça n'a pas été réinscrit une demi-journée ? Si. Si, c'est ça. Le 16, et puis, enfin, pas le 16, mais ça a été mis comme une idée. Et la première fois d'ailleurs, c'est nous qui leur avions signalé, puisqu'ils avaient tous essayé de me convaincre qu'il fallait que je maintienne, etc. J'avais refusé. Mais c'est nous-mêmes qui leur avions annoncé que, OK, ils avaient compris que ça serait plus tard. Mais ils ne l'avaient toujours pas ôté de leur site. C'est ce qui a jeté un peu le trouble et que certains ont mis, oui, réunion publique, on ne comprend pas, il n'y a personne, le maire se moque de nous, etc. Je me moque de personne. Mais alors vraiment pas, ce n'est pas mon objet. Et je serais très heureux de la tenir, mais dans le cadre que j'indique là, c'est tout, franchement. Donc là, précisément, la modification de PLU qu'on a proposée, qui avait été validée par les services du territoire, en termes réglementaires, puisque l'urbanisme réglementaire, c'est eux aujourd'hui, elle est dans les mains de l'autorité environnementale, puisque c'est une obligation, toute modification passe dans les mains de l'autorité environnementale. Donc forcément, elle va être regardée à la loupe, cette modification, puisqu'on a quand même des spécificités sur la ville que les autres villes n'ont pas. Donc voilà, cette autorité environnementale, elle a 2 mois pour se prononcer, et donc les services du territoire s'étaient dit, ben, on va pouvoir commencer l'enquête publique au mois de juin, donc on pourra faire une réunion publique du PLUI, et en fait c'est pas le cas, donc comme c'est pas le cas, on fait pas de réunion donc publique. Il y aura rien de particulier avant ce que je viens d'indiquer, voilà les raisons, il y a vraiment aucun vraiment motif caché hormis celui que j'exprime, soyez-en enfin assurés. On va vous présenter la configuration de la maison de santé. Je vais te laisser, Delphine, la présenter, s'il te plaît. Alors, permis de construire qui a été approuvé en fin d'année dernière. Vous savez tous où se situe le terrain. Donc, c'est à l'angle de la rue des Prénoisies et de la rue de la Ferme. Donc, tu peux passer, hein, Nat. Tu peux avancer. Peu d'intérêt. Vas-y, continue. Voilà, donc c'est l'ancien presbytère. Et donc vous avez... celle d'avant. Donc l'ancien presbytère sur le croquis du haut et donc la maison de santé sur le croquis du bas, où on ajoute donc rénovation intérieure de l'ancien presbytère, donc rénovation totale, et extension donc sur le côté gauche quand vous êtes face au presbytère actuel. Donc on vient en limite séparative du domaine public. Sur la rue des Prénoisies, le pignon de la maison de santé sera au bord du trottoir sur le domaine public. Vas-y, tu peux continuer. Encore. Donc c'est exactement la même bâtisse. On va voir les plans intérieurs. Donc voilà, c'est ce que ça donnera visuellement, avec un espace qui est prévu plutôt ouvert. Donc il y aura une barrière à l'entrée, bien entendu, mais par contre, ça sera un espace qui est plutôt ouvert. Avec un parking pour la patientelle à la façade et un parking pour les professionnels de santé à l'arrière. Voilà. Donc ça, c'est l'arrière. Ouais. Ouais, ça, c'est l'environnement. C'est le PC de base. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien. On pourra vous l'envoyer, hein, le PC, de toute façon, maintenant qu'il est accordé, il est complètement public. La réflexion... alors, il y a ce qui va exister dans un premier temps à l'ouverture de la maison de santé et ce qui est possible de faire en termes d'évolution ensuite. Donc là, vous avez un ascenseur. Donc quand vous rentrez en face, vous avez un ascenseur donc, qui dessert
le premier étage, puisqu'il y aura deux étages, qui se trouvera dans l'extension, puisque le rectangle sur le côté, donc c'est l'extension, elle n'existe pas encore. Vous avez trois cabinets différents. Vous avez la salle de repos, restauration, donc pour les professionnels de santé, le bureau d'accueil, une réserve derrière, et des toilettes. Bureau d'accueil dans lequel sera installée de manière systématique une secrétaire ou un secrétaire médical. Voilà, et quand on va à l'étage, vous avez quasiment la même configuration. Vous arrivez directement dans la salle d'attente donc, du deuxième étage, avec de nouveau trois cabinets et de nouveau des toilettes PMR. Et donc, ou quatre ou cinq à l'étage, puisqu'on a un grand cabinet qui est central, qui peut être, lui, découpé en deux, et on a une salle d'attente qui est très conséquente, qui peut, elle aussi, être découpée. Donc, toutes les ouvertures, fenêtres, etc., ont été prévues au cas où on voudrait ensuite scinder et recréer des espaces. En tout cas, l'espace initial, ça sera trois cabinets en haut, trois cabinets en bas, jusqu'à deux cabinets de plus ensuite, donc de 6 à 8. La première réunion de chantier avec toutes les entreprises qui ont été retenues, donc, puisque tous les marchés ont été attribués, a eu lieu le 18 mai et premier coup de pelle le 6 juin. Et Pierre Agemont, qui est en charge du dossier concernant la mise en place de la CISA pour que ça fonctionne avec les médecins à la livraison du bâtiment, vous fera un point à l'occasion du prochain conseil municipal. Alors, la question du cahier des charges a souvent été évoquée à l'occasion du conseil municipal. Le cahier des charges, c'est un cahier des charges classique sur les maisons de santé qui est délivré par l'ARS. Et c'est sur ces bases-là que le cabinet d'architectes a travaillé avec une validation des médecins de la ville, hein, qui sont le docteur Stab et Garnier, qui sont censés intégrer cette CISA et cette maison de santé. Hein, la question, après, c'est les autres médecins. Donc, Pierre vous fera un point prochain sur là où nous en sommes actuellement pour un démarrage dès que les travaux seraient terminés. Je crois qu'on nous a dit 8 mois, c'est ça ? Oui, normalement, au plus tard, mars 2023, mais j'ai toujours peur de dire au plus tard, parce que je ne sais jamais. Mais on a eu une réponse hier, on l'a su ? Subvention ? Lundi ? Bon, je crois que je l'ai su hier. Oui, c'est 250. J'ai un peu de décalage cette semaine. Donc, 250 000 euros, première subvention qui a été demandée. On avait demandé, donc, à ce niveau-là, au niveau de l'ARS, sur une des parties de subvention de l'ARS, 250 000 euros, et ils nous ont accordé les 250 000 euros. Non, c'est le conseil régional, là, les 250. L'ARS, pour l'instant, ce n'est pas bouclé. Sur l'ARS, pour l'instant, on n'a pas... C'est sur le conseil régional, je crois. En tous les cas, sur... Quand on avait demandé 250 000, on a eu 250 000. Voilà où nous en sommes sur cette réalisation. Pour finir, comme information, peut-être avez-vous appris que nous avons sur les bords de Marne, derrière le collège, vous avez peut-être été au courant, donc on a été alerté par... c'est Raphaël, le patron du Cappuccino, qui en promenant son chien a vu... quelque chose qui flottait là aux abords, juste derrière le collège, à un léger décalage, en face de la construction Montois, là, des pavillons. La chef de police qui a été contactée par Raphaël est arrivée sur place très vite. Elle m'a contacté, elle a appelé les secours, enfin, etc. On était sur place très, très tôt. Bon, il n'y avait pas de... J'ignore ce qui a circulé ou pas, mais enfin, en tous les cas, il n'y avait pas de papier d'identité ce matin sur la personne. Il y avait un téléphone, j'ignore si la police pourra l'utiliser, et on ne sait pas depuis combien de temps cette femme était dans l'eau. 70 ans peut-être, Agnès. On n'a pas réussi à identifier, nous, la personne. Agnès, qui connaît beaucoup de gens, je l'ai contactée ce matin pour qu'elle vienne identifier à mes côtés le corps pour voir si cette personne était connue ou pas. Bon, pour Raphaël, qui connaît aussi beaucoup de monde, il y avait le fils
de GG Cissé qui était là aussi. Bon, on n'a pas su ce matin si c'était une personne, une gournaisienne ou pas. Bon, il y a un peu de courant quand même sur la Marne, même si elle est très basse. Les pompiers semblaient dubitatifs, ils imaginaient plutôt que c'était quelqu'un qui avait éventuellement chuté, mais du côté Marne-Gournay plutôt que du côté de Chelles. Mais ça reste des supputations, puisque tant qu'ils n'ont pas d'informations plus précises. En tous les cas, nous n'avions pas eu d'indication hier ou sur une disparition, ou ce matin sur une disparition d'une personne sur la ville. Voilà. Nous vous ferons, dès que possible, une petite présentation. Alors, soit nous la ferons en CM, soit nous la ferons en restreint à l'occasion d'une réunion que je mènerai avec l'ensemble du conseil municipal, dès que nous aurons des retours sur les différents, sur les différentes études que nous attendons, à savoir le skatepark, le city, l'aire de jeu qui serait installé sur l'avenue de Champs. Pareil sur la construction du centre de loisirs qui serait, lui, placé derrière l'école du château avec des salles au-dessus, en fonction des études définitives qui seraient données sur la surélévation potentielle de l'école du château. Pareil, puisque tout se fait en parallèle sur les résultats de la réhabilitation de l'école, de l'ancien réfectoire de l'école des Pâquerettes, ainsi que la fermeture des préaux pour en faire des salles d'activité et éventuellement permettre aux enfants d'être à l'abri sur les périodes d'hiver hivernales, et puis surtout cet ascenseur qui permettrait d'accéder à partir de demain ou après-demain, et là c'est plutôt après-demain, à tous les niveaux de cette école, dans la perspective pareil éventuelle d'une... On pense que là, on va atteindre une certaine maîtrise de la population gournaisienne. Néanmoins, elle peut augmenter. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que, bien évidemment, lorsqu'on vient s'installer sur la ville, on ait une place à l'école pour les enfants au sein de la famille. Donc, je vous inviterai, on est en train d'attendre les retours. Dès que c'est fait, je vous convie, et ça nous permettra de boire un coup ensemble, pour la présentation des différents dossiers, là où ils en sont actuellement. Voilà ce que je voulais vous signifier. On se retrouve pour deux dimanches fort sympathiques aux prochaines élections. Et je confirme le fait qu'il y aura un repas un peu comme nous l'avions fait l'année dernière, à l'issue du deuxième tour pour celles et ceux qui ont participé. On fera ça aux abords de la mairie ou dans la mairie en fonction du temps. Voilà. En tous les cas, merci de votre participation. Belle soirée. Et prochain conseil municipal le jeudi 7 juillet. Merci à vous tous.